Radio Pacifique. Merci d'être à l'écoute de Radio Pacifique. Bienvenue à Pacifique Matin. Bonsoir, le mercredi 16 septembre 2020. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Un plaisir, encore une fois, ce matin, de vous retrouver pour la troisième sortie du Pacifique Matin. Jacques, comment ça va? Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Saint-Éloi. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Bouchereau. Bonjour à toutes et à tous, encore une fois. Ça gagne à Jolidia, monsieur Saint-Éloi. Les funérailles de Bertrand Bonfrier d'Orval seront chantées en stricte intimité le vendredi 18 septembre à la basilique Saint-Pierre de Pétionville. Ainsi, on a décidé la famille. Il y a une famille qui a été là. Et bon, c'est Saint-Pierre qui était planifié. Merci. En tout cas, je suis pour nous quatre pelouses. Mais moi, notre première vidéo, dans notre lame, monsieur Boise, il n'y a pas ni qui côté ni qui l'est. Bon, je suppose que c'est parce que tout le monde te connaît déjà. En tout cas, supposition. Et puis, et pendant la supposition sous Saint-Pierre, il y a un baroua qui met ton note dehors qui dit même un petit avec aujourd'hui, on te prépare la Jacques Boise. Par rapport avec les funérailles et mon frère de Valence. Et l'autre point encore, monsieur, c'était oui, il y a aussi la conférence internationale des barreaux qui demande au président Jovenel Moïse de prendre des dispositions en vue de faciliter la mise en place d'une commission d'enquête impartiale qui permettra de trouver les auteurs, co-auteurs et complices de l'assassinat du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Une correspondance a été acheminée au chef de l'État en ce sens. Et le secteur démocratique et populaire, entre-temps, veut rallumer le flambeau de la mobilisation pour exiger le départ du président Jovenel Moïse du pouvoir. Un ensemble de manifestations seront tenues entre 20 septembre et 17 octobre prochain. La célébration ce mardi 15 septembre de la Journée internationale de la démocratie, une occasion pour le secrétaire général de l'ONU de plaider en faveur de la construction d'un monde égalitaire dans le respect des droits humains. Et l'ancien directeur départemental de l'Ouest de la PNH, Berson Soljour, a été nommé directeur de la police nationale administrative. Monsieur Soljour remplace à ce poste l'inspecteur divisionnaire Mario Aubergiste. Et puis, dans le billet de Jacques ce matin pour fermer ce journal, crise haïtienne, c'est son enfin la langue de bois. Ben, et puis, il y a une actualité internationale à tout, spécialement nous parler dans le pays États-Unis. Et bien, écoutez, que M. Joe Biden a courtisé l'électorat hispanique et qui fait goût de toute déclaration. Quand Donald Trump a été avec nous, on a tout de suite, nous allons le recevoir. Premier invité, nous, dans peu de temps, qui c'est l'économiste Thomas Lalime. Avec nous, on va laisser garder quelques points essentiels de l'actualité économique.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement de cette édition. Une édition qui entre chez vous grâce au support de toute l'équipe rédaction. Donc, laisse Debréus et Mario Sylvain, réalisation Olivier Bouchereau, micro Jacques Amboise, Moïse Saint-Éloi et Jean Fouchard d'Angers. Monsieur Amboise, comment croyez-vous? Nous, là, nous pays suivre et comment le pays a avoir aller. Nous voyons que la situation n'est pas facile. Mais on doit tenir, Moïse. Oui, oui. Bon, on n'a pas obligé Kembe parce que Jean-Baptiste est là, et là, sinon, il est vague. Et nos capoël parce qu'il y a un bail qui va se faire. Soit Kembe. N'a pas Kembe courage, n'a pas été nos espoirs, n'a pas essayé d'espérer que demain est capable de mieux. Parce que si moralement, nous pas en forme, déjà, le pays a rempli toutes conditions pour physiquement et psychologiquement, nous pas en forme. Donc, n'a pas pour nous essayer Kembe le coup. Parce que j'ai la période du jour annoncé noir dans tout plan, tout le monde viré pays au tunnel. Il ne va pas être facile. Il ne va pas être facile et du tout. Et nous avons une situation qui est compliquée, qui est difficile par rapport avec la réalité sociopolitique du pays d'Haïti. J'en ai annoncé depuis hier soir. En matin, nous avons un privilège pour nous faire un petit bouche avec l'économiste Thomas Alalib, un acteur. Donc, on a qui produit plusieurs articles par rapport avec différentes situations que le pays d'Haïti a vive. Docteur Thomas Lalim, bonjour, merci un peu pour disponibilité. Où. Bienvenue sur Antenne Radio Pacifique. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde qui est sur le panel là. Bonjour à tout le monde qui a attendu. Non, c'est un plaisir pour moi avec le matin. Et plaisir à partager parce que vous prenez pile et position. Et là, par exemple, et M. Lalim, ou que dollar chute comme ça, ou dit, nous comptons à mettre en prise, qui a parlé de production nationale, qui a parlé de ça pour faire pour dollar, et pour goût de la petite force et face à dollar, et pour elle monter comme ça, ou dit, bon, Haïti, sous le chemin de développement, tout bon? Non, pas vraiment, parce que c'est vrai, nous avons mentionné production, mais nous n'avons pas de dire seule production non plus. En fait, c'est pas moi seulement, mais tout économiste qui est intervenu, en général, qui est considéré deux catégories de variables dans la question de valorisation de goutte, qui est une catégorie qui sont des variables structurelles, comme je disais, question de production, question d'exportation, question d'investissement direct étranger, question de tourisme, pour des. Nous avons dit que ce sont des catégories de variables structurelles, mais des catégories de variables conjoncturelles, d'autant que les décisions autorités ont annoncé. Mais dans la catégorie variable structurelle, il y a toutes les structures de marché en lui-même, qui sont structures de marché qui sont très peu concurrentielles. En fait, dans le terme technique, nous avons dit structure de marché d'oligopole, dans le sens que il y a quelques banques qui ont un paquet de clients. Là où on a une structure de marché comme ça, une structure oligopole ou bien une structure monopole, entreprise là, dans le canal Palais, qui c'est banque, qui a un certain pouvoir de marché qui permet d'influencer tout. Moi, je me toujours pour mentionner ça. Et le fait qu'on admette que bon pouvoir de marché qui entreprise a influencé prix ou bien tout dans le canal banque, donc ça laisse au comprendre que si. Il y a une situation qui m'a dit au bureau, même il y a une influence à la hausse ou à la baisse, il y a un café. Comme j'en suis dit, ce n'est pas la production qui a augmenté, ce n'est pas la variable structurelle qui a changé, il aurait été même pendant une période de temps assez court. Donc, c'est pour nous garder du côté de variable conjoncturelle. Variable conjoncturelle, parce que là, je me pose une question, je me pose une question à dessin, parce que je parle avec plusieurs économistes. Est-ce que c'est aspect politique là qui fait que Goudlan apprécie par rapport à dollar, l'en par exemple, on te tenait compte de déclaration président et Jovenel Moïse et puis où est Goudlan en seul coup et font monter. Est-ce que c'est aspect politique là que joue sous lit comme levier qui fait que et Banque Centrale pas mesure ça? En fait, ça passe. Non, Banque Centrale de prendre mesure avant même que le président ait fait déclaration politique. Là. Ou bien quelque part, on a dit tout que Banque Centrale te prend mesure, te prend un ensemble de mesures et que le pape fait le pour col, il te fait de concert avec l'autorité politique, notamment le président. C'est ça.
déclaration président t'a voulu faire comprendre. Mais non seulement Banque Centrale a pris une décision d'éjecter en quantité, en fait, environ 150 millions sur un pays jusqu'à fin exercice fiscal qui a privé le 30 septembre sur le marché, mais Banque Centrale a pris des sanctions contre des banques tout. Et pendant la même période, ça, gouvernement, en fait, le président a fait des menaces qui sont assez graves. En cas où il y a des gens qui manipulent tout. Donc, ça, si vous voulez utiliser un langage économique, c'est des signaux que l'autorité, à la fois l'autorité monétaire et l'autorité politique, vous voyez, à ce secteur bancaire là. Maintenant, si vous regardez la logique de théorie des jeux, une fois que l'autorité vous voyez le signal, ça, que vous-même, il y a capté et analysé le signal là et il a réagi par rapport à elle. Maintenant, on y a toute question, hein? En fait, la réaction par rapport à ce signal, ça, économiste, en fait, bien économiste qu'on parle d'une forme de surréaction, tout, dans le sens que réaction pas forcément proportionnelle à l'action que notre parti en face, pas que c'est le gouvernement avec la Banque Centrale l'a posé. Mais on y a ça qui vient de passer, c'est que si c'est juste une réaction comme ça, et que qui t'a juste une réaction stratégique, pas forcément découler de variables économiques vraiment. Le seul problème qui vient poser, c'est est-ce que son bagage qui parle très conjoncturel, ou bien est-ce que son bagage qui a été sur le long terme. Maintenant, réponse à la question, ça, il dépend d'un seul facteur. Parce qu'il y a de cela un mois, c'est les autres, c'est situation investie qui t'a produit, c'est augmenté, toi t'as augmenté. Je veux dire, si la, on m'a dit dire que l'autre t'a augmenté un tout, il t'a augmenté de façon artificielle. Donc si l'autre t'a augmenté, elle t'a augmenté de façon artificielle, je veux dire, le lap descendant, il y a une forme de correction par rapport à augmenter, il t'a augmenté dans un niveau qui pas. En fait, qui part justifié par la réalité économique. Là, si tel est le cas, eh bien, c'est autant doit dire son forme de correction qu'a fait. Mais si ce n'est pas le cas, on doit penser que l'impact sur le long terme n'est qu'en variation de court terme et de courte durée. En fait. Et comment aller? Définitivement, là, on comprend, moi, Haïti, c'est un paradoxe. Question Goudlan a monté ou bien a fluctué, et c'est pas, ça va dater de. Et hier, ni de jeudi, c'est quelques temps. Mais maintenant, qu'est-ce qui expliquait, alors que l'autre président Jovenel, grand secteur économique, que il y a un problème avec le secteur pétrolier, et nous gardons ça passer dans l'électricité. Ça veut dire que quelque part, par rapport à quoi que Mounsa a gagné, ça n'a pas été posé dans l'économie. Et puis c'est l'essor qui a dit. Globalement, sous chita sous dollar seulement, et puis, gros bagay kap fait, j'en oué gagné, et de monde qui proche président kap parle pour dire que yo commence à mettre l'ordre dans la question dollar. Ça passe, expliquez-nous comment. Non, mais ou pas quoi mesure pour dire ou mettre l'ordre vraiment. D'ailleurs, yon a premier disque qui font beaucoup qu'a dit qu'on mette l'ordre, c'est que je veux dire là, en pile la banque yon limité quand c'était propre ou quantité de dollars qu'on a acheté et quantité de dollars qu'on a vendu. Donc, c'est un signe que le marché, pour nous utiliser un langage économique, pourquoi à l'équilibre vraiment? Si le marché est à l'équilibre, on a supposé que si vous voulez acheter 1000 dollars, vous rentrez dans le fonds à un taux déterminé, vous voulez acheter 2000, vous voulez acheter 5000, vous a supposé capable d'acheter. Or, jusqu'à la semaine dernière là, et début de semaine, ça a tout. Il y a un pile bac, c'était à peine 50 dollars, il y a 20 dollars. Jusqu'à hier. C'est pour montrer qu'il y a une sorte de nervosité et fragilité sur le marché. Donc, on peut résoudre le problème, là, vraiment. Le problème à résoudre, c'est là où il y a un taux qui fait environ 11 semaines et que pas de restriction ou qu'à aller acheter quand tu veux. Pour hier, parce que je veux dire, là, dedans des. Il y a l'autre confrère Fritz Jean, l'ancien gouverneur, qui était dit sur notre radio que pour pas gagner tout, je veux dire, pour qu'il soit pas gagner tout, c'est parce que tout affiché que Bankler dit là pour nous 50 dollars, disons que vous-même, vous avez une urgence pour acheter 3 000 ou 10 000 dollars,
ou pas qu'on a qui tout payé. Mm-hmm. Et si l'on arrive et on dit c'est $50 à prendre à 91 gouttes, ou même vous besoin de $10,000, si vous avez urgence et que vous demandez vous payer à 120 gouttes ou à 110 gouttes, dépendamment de nature urgence, peut-être qu'on va payer. Donc ça veut dire, je veux dire, on peut comprendre vrai, tout marché en vrai. Parce que avec restriction ça. Donc ça vient de faire qu'on peut qu'on crier victoire. Parce que nous avons des épisodes déjà sur suivre. Soit regarder sur le site BRH, soit regarder série toute charge là. De 90 à aujourd'hui, on a des périodes que, qui ont des variations assez considérable. Mm-hmm. Par exemple, en mars 2004, après le président Jean-Bertrand Aristide allait, il y a des jours que le taux a perdu presque 10 gouttes, il était diminué de presque 10 gouttes, mais tout de suite après, il devrait remonter tout. Mm-hmm. Donc, mais là, ça a tout, nous sommes dans une situation, en fait, départ provoqué président Aristide le 29 février 2004, là, c'est un gros choc dans l'économie. Mm-hmm. Tout. Je veux dire, nous n'avons pas un choc dans le niveau ça qui nous permet de nous comprendre une augmentation comme ça. En fait, bon seul bagage qui est difficile pour comprendre et expliquer. Mm-hmm. Je veux dire, c'est l'ampleur que baisse la prend et le fait que il y a des banques dans une journée qui changent tout, qui baissent tout deux ou trois fois. Ça, dans une situation côté par une grosse crise politique, les difficiles pour comprendre. Besta li même pas trop difficile pour ta comprendre, mais ampleur Besta li chute drastiquement. Et puis non seul jour, par exemple, quand on perd du 5 ou de l'I, on a pas qui change tout deux fois, ça plus difficile à expliquer. Je dis à la matin. Je dis à la docteur Lalim, il y a des gens qui posent cette question, puis on connaît qui sont les vrais gagnants par rapport à cette situation et économique. Par exemple, hier soir, on parlait avec un cadre dans Unibank qui fait me connaître que, eh bien, c'est $50 américains au maximum que banque l'a décidé pour changer pour yon moun à un taux qui c'est 85 goud. Et l'on regarde des supermarchés, par exemple, pour exemple, là, son moun a besoin de $10,000 américains à qui taux banque l'a pas changé pour. Supermarché, aujourd'hui, à la ministère commerce, te barre jusqu'au 7 septembre pour te afficher tout prix en goud. Maintenant, l'on a acheté dans supermarché, ya, dos, et m'capable dit, et gadja tout vin acheter yo. Yo en dollar, c'est vrai pour quelques supermarchés, mais en dans market là, yo dit comme ça que c'est un goût y a touché. Et si ou gain dollar là, yo fixé dollar là pour par rapport avec taux que yo même yo décidé, li ka 50 goud, li ka 60 goud, li ka 65 goud. Ça veut dire que dans situation pareille ça, qui est d'après ou même qui a sorti vrai gagnant par rapport à cette bataille? En fait, là, et là, c'est 50-65 gouttes, là, c'est 20 dollars, oui. C'est ou même qui a acheté, et ou peut-être 4 ou 100 gouttes, ou bien il est à 90 gouttes. Mais en fait, qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui perd? En général, le gain, on varie des portes concernant l'économie, qui varie, et qui varie aussi drastiquement. Li fait des gagnants, li fait des perdants. En fait, ou ka gade gagnants ou seulement pour je dire, mais toujours gen en tête que gen ap gen des gagnants, ap gen des perdants. On est en règle générale, qui sa kap déterminer un gagnant et un perdant, c'est pouvoir de négociation sur marché. En fait, pouvoir de négociation, ça veut dire, ils sont acteurs importants dans le jouet là, qui fait que li même ka influencer règle jouet là, ou bien li ka influencer résultat jouet là. Et le ça donc la perdant lui-même la gagnant sur marché gien on me songe mon ami qui te kon dit que mettre du jeu pas j'ai perdu en fait pas j'ai fait déficit. Donc je dis banque là dans situation de mettre du jeu par exemple market là ou bien là dans situation de mettre du jeu à un certain moment s'il arrive dans une situation que le pas sûr que tes actions profitable avec lui, là juste rien il pas vendre pendant longtemps ou bien à la limite tout est arrivé dans une situation qu'on remarque que tu pas fait très pas acheté ou vendre là pendant longtemps il y a plein de marchés à 4000. Au pire des cas on même nous arrive dans une situation que il y a des entreprises qui font fermer momentanément. Oui, ça peut analyser ça qui passe après ouvrir. Donc moi ça c'est sûr que il y a pas accepté perdant en fait. On y a, ou vini,
sauf regarder qui est qui potentiel perdant, on l'autre proverbe créole qui dit c'est mal scellé qui a foulé. Dans cas ça mal scellé c'est population, parce qu'on dit ou même ou gen obligation pour acheter dollar ou pas gifo, on dit pour moun qui gen petit dans pays étranger besoin pour dollar chaque mois pour yo, quel que soit tout lié n'importe chance ça y est, faut jouer dollar pour envoyer dans fin mois pour tout monde à l'étranger. On dit on importateur qui importe des produits stratégiques comme pétrole ou bien des produits de première nécessité, quel que soit le genre, il faut le jeune. Donc, le monde est tout prêt pour acheter dollars quasiment. Mais pardon, là, docteur Aline, dans l'injection Banque Centrale fait là, plus passer 150 millions de dollars, pourquoi vous dire, mettez. En fait, son promesse de 150 millions, mais il faut qu'on injecte toutes 150 millions, il faut qu'on injecte graduellement. Graduellement, maintenant, ça qui est injecté graduellement, ça cache les dollars. Puisque, dans le banque, on ne peut pas jouer, et sous sortir dans la rue, tout, pas presque des dollars, comme il y a deux, trois personnes qui ont payé des dollars circulés, quand comme ça passe, est-ce que c'est gros créateur? Ça, c'est une belle question, en fait. Dans le par le passé, c'est seul le banque qui a acheté, le BRH qui a payé des dollars sur le marché. Mais tu as une suspicion sur qui circuit comme dollar ça a fait le banque qui a acheté, est-ce que le banque n'a pas stocké. En fait, l'hypothèse pour le banque qui a stocké de façon formelle, n'est pas trop évident parce que la banque centrale a des critères pour la vente. Bio et banque centrale de des règlements sous marché. Par exemple, il y a un règlement, c'est y a une guerre. Banque là suppose que c'est une position carbis nul. Position carbis nul là, on l'a dit, quantité dollars que l'achète aujourd'hui, hein, les doit vendre environ même quantité ça ou plus. Mais le banque vendre moins. Ça veut dire banque là légalement. De façon réglementaire, pas qu'à acheter un peu d'eau aujourd'hui et puis le quitter la vendre la semaine prochaine et puis chaque jour tout rentre en route. Donc, semaine prochaine, sur chaque grain d'eau là, la fait 5-10 gouttes sur eux. Banque centrale pas d'accord ça. Mais ça, c'est de façon très formelle en fait. Oui, ça me dit de façon très formelle là, c'est parce que le marché d'échange là tout commence à venir compliqué. Compliqué dans le sens que banque seulement représenter à peine 50% du marché. Mais on va aller au marché non bancaire, formel mais non bancaire. Par exemple, je t'ai dit, dans le marché, dans le gasoline, qu'on doit rentrer, c'est des gens qui ont pas tout quand même. On va pas dire informel. La seule chose, ils n'ont pas gagné forcément pas tout pour acheter et vendre là, pour effectuer activité de change. Et pour gagner un lot, ou bon l'autre catégorie lui-même c'est informel là nèg cambis qui dans la rue ou bien n'importe l'autre nèg qu'on connaît sous quartier qui gien coupe dans main et qui dit lui prévoit acheter 20 dollars ça son marché informel que mesure banque centrale yo pas affecté directement yo affecté indirectement mais pas directement on y est sous question qui circuit comme l'en fait ça me dit comment c'est dit tout à l'heure c'est que dans le temps banque centrale te conn vendre banque commercial yo seulement l'argent. À par la suite, coopérative joue un rôle important. Il y a une zone qui n'a pas de banque, c'est coopérative. Banque centrale dit qu'il n'a pas ajouté coopérative autour, il a pas acheté l'argent dans la banque centrale. Et par la suite, il va dire à la fois, en plus de coopérative et banque, il va considérer un certain de grands importateurs qui exercent une pression sur le marché. Grand importateur ça ou bien grand client qui doit pas seulement grand importateur des entreprises étrangères dans pays qui fonctionnent en good mais en fin de mois qui besoin de dollars pour peut-être que banque qui c'est pas banque locale forcément il a besoin de dollars pour faire des bonnes banques donc il a acheté dollars et il a posé son pression sur le marché pour grand client ça par exemple banque centrale saint aussi apparemment dit la vérité directement pour empêcher que juste trois ou quatre grands clients dits importateurs de pétrole, importateurs de produits de première nécessité, pour ce n'est pas seul monde qui exerce une grosse pression sur le marché, sachant que j'en ai dit à l'heure, dans une structure de marché côté où il y a deux ou trois clients qui sont importants. Quitte les consommateurs, quitte les entreprises, c'est bien important, il y a qu'à influencer le marché. Donc, Banque Centrale, apparemment, dit l'argent directement et permettre que acheter dollars dans la Banque Centrale et pas dans la Banque Commerciale, vous ne pouvez pas jouer, vous ne pouvez pas trop influencer tout. Docteur Lalim, je prends plaisir hier soir pour mon texte que vous publiez, qui c'est un cabinet ministériel d'excellence composé d'exécutifs de la République.
Et tes grands paquets de personnages ça que tu connais et dernier à mon figure d'Orval Norvella et qui travaille et pour Banque Centrale ou parler tout de et on pour paquet l'autre et messieurs dames François Guy Malari ou comme Mireille et Duru chez Bertin Guito Toussaint et quitté en cadre de la Banque et nationale de crédit BNC que eux assassiné la Kaili son paquet personnalité et haïtienne que pays a décidé ou encore des monde dans société a décidé de mettre fin à jour yo. Jodi a la, l'on a écrit texte ça. Qui sont dit tête ou par rapport à la situation à vivre et dans période ça là. Bon avec un peu de tristesse parce que j'en dis même j'avoue gain dans monde ça que m'étais content que m'étais connu côtoyer et c'est des monde que m'étais gain vivre respect pour eux que me pensais qui était ca jouer des rôles importants dans pays qui était ca aider à ce type de l'État que lié aujourd'hui. Hein? Et puis, au dit dans tout l'autre pays, c'est. Je dis là, par exemple, toute grande ville, il y a une politique, les politiques d'attraction et de gestion de talent. Comme je l'ai dit aussi, on doit. Ça va être étonnant pour. On doit. Pardon, on a radio là, et puis. On ville, on grande ville quelconque qui rend ni compte que ah mon cher gon haïtien que les gens fouchent dans danger monsieur très monsieur sont danger lié dans domaine par là monsieur bon attirer monsieur pour venir dans ville par nous donc tellement comme si mon yo connaît que c'est moun yo qui pour développer zone yo qui pour développer pays yo qui pour développer qui pour innover, qui pour maintenir prospérité en pays. Donc, dans ce sens, un pile pays, un pile ville, a bâti le monde qui est estimé qui est très compétent. Et puis, moi, dit tête, moi, dans Haïti, lui-même, c'est tout le contraire. C'est mon ou est vraiment utile. Au lieu que vous attirez, vous encouragez, vous êtes dans le pays, vous connaissez des tristes sorts, en fait. C'est exécution sommaire. Et ça qui est plus décourageant dans la question, c'est que je veux dire là, en fait, ni moi ni vous-même, nous te connaissons, nos pièces ne peuvent pas dire, ah mais qui s'est passé exactement. Donc ça, ils ont exécuté et puis ça s'arrête là. Donc en clair, ça veut dire que on est qui a intention d'exécuter l'autre nègre après mettre Doval. Qui ça capable de pêcher le faire parce que les gens n'écoutent que dans toute liste que vous avez cité là, qui n'a article là, pas jamais un procès qui fait, qui pas jamais une condamnation qui vraiment prononcée. Donc, il y a des têtes, pour qui ça pour pas t'agir l'autre mettre devant la presse, c'est comme ça fonctionnement, c'est comme ça pratique là, dans le pays. L'ami texte en tout, et docteur, c'est que c'est comme si il y a une portée politique là-dedans. C'est par rapport avec un regret qui t'a exprimé. Par exemple, l'aime dit au mon frère Dorval et comme président, même t'as parlé avec une personnalité qui dit que en République dominicaine, il y a pas quoi t'as pas assassiné Dorval par rapport à ça que le t'es représenté pour la société ou encore ça l'a toujours représenté pour la société. Hein. Mais maintenant, c'est comme s'il y a un regret côté que je dis à la par rapport avec des mouns qui a dirigé nous, des mouns hier qui t'a fait des bavures au sein de l'administration publique, je dis à qui tourner comme autorité. Maintenant, nous avons dit que qui est arrivé pour nous dire que nous avons un cabinet ministériel d'excellence, mais cette fois-ci, qui n'est pas composé d'exécutifs de la République, mais qui a composé de petites terres qui formaient, qui gagnaient capacité, qui a dirigé aujourd'hui. Là. Eh bien, il y a plusieurs problèmes. Justement, il y a une analyse ça avec de l'autre ami. Est-ce que exécuter, c'est pas. Les presse, en fait, vous avez quand même pensé qu'elle fait partie de la stratégie pour éloigner les gens qui compétent ça de sphère politique ou bien même de administration pays. Parce que ça vient de passer. On dit, regardez-vous, analysez bien ce qui passe avec M. Doval. Apparemment, M. Doval va même bien des âmes sous lui. On a douté fort que des nègres de Guito Toussaint, de Norvella, par exemple. T'as commencé l'eau, par exemple, je n'ai pas l'impression que c'est à la limite. Tu as un zam la caillou, âme de point, mais je dis, j'ai entendu son question de manche longue qui a parlé. Je n'ai pas imaginé que c'est avec manche longue dans la main ou bien la caillou. Donc, on y a, ça vient de passer, c'est que c'est un coup.
Par contre, si vous avez ça, ou vous dites là, pas là, parce que ça qui a fait là, c'est des qui ont manché l'homme lié. Donc, son politique là, mais écrit plusieurs textes. Vous savez, vous venez presque trouver une forme de gangstérisation politique, ou bien même une politique de gangstérisation, côté que nèg qui part. On est d'accord, Doval fait tout un temps étudier, enseigner et pratiquer droit. Donc, Doval, peut-être, si on est c'est un concours de banditisme, on a fait un qui a tiré, qui bien catouillé, mon bien. Doval a fini dernier la donne, parce que pas sa compétence par lui-même. Et on peut-être qu'on doit jouer un monde qui a dit, ah, mon cher, qui on est d'accord, Doval, qui ça le fait, dans la question, bah, où on a bah, opinion. Participer dans le débat public. Il y a des gens qui ont dit pour qui ça, monsieur, t'as rentré dans le bagage, ça y est. Mais tout ça y est, c'est une façon pour dire que c'est dans le monde qui a quitté l'environnement politique là avec Bandio et puis nous-mêmes, les gens qui sont formés, qui ont des compétences, les gens qui sont intégrés, étaient sous côté. Est-ce que là, ça a tout Est-ce que là, ça a tout et c'est pas. Je vais parler dans le même fil et l'idée qu'on a parlé là. Ce n'est pas une lutte qui gagne entre l'ancien avec le nouveau. C'est-à-dire, il faut que la société a changé, il y a une nouvelle dynamique. Maintenant, il y a des gens qui veulent faut que l'idée soit comme ça. Donc, laisse ça, il faut qu'ils mettent. Parce que l'ancien et les gens qui partisent de l'ancien, ils sont beaucoup plus violents, ils sont beaucoup plus résistants par rapport à la dynamique qui t'a doué enclencher pour changer la société. Mais un discours tout semblait qu'il pas adapté pour permettre que la société a ni même pas conscience tout bon vrai pour rentrer dans la dynamique ça et monsieur Lalim. Mais en fait article c'était peut-être un premier objectif là, c'est une sensibilisation à une forme de prise de conscience tant aux gens sont dit là parce que à un certain moment. En fait, Jean Medoval passé, Jean tout reste monde dans cabinet au dans cabinet au mentionné là passé, veut dire que tout le monde qui a à peu près des profils ça en fait, il y a plusieurs conséquences néfastes pour pays. Il y a une conséquence c'est que le Medoval qui fait doctorat en droit en France, si monsieur était veut rester en France, monsieur que monsieur a besoin d'un gens qui l'intègrent et peut-être se garder professionnellement, monsieur qui doit Monsieur Gué doit te qu'a fait mieux ailleurs qu'en Haïti. Mais ouais, jamais je te dis même jour même que d'après l'assassiné là, son égis a accepté sacrifier tête libre pour pays. Mais peut-être que le pas sacrifice après jusqu'à exécution. Mais dans même jour même exécution arrivée. Est-ce que ça vient pas secondaire? Thomas Lalim, un peu le monde qui a assassiné là, ou Gué pour ça c'était un bon grain de secte. L'un des grains de secte là. Pas en termes de formation, de causer, non. Mais par exemple, Doval dit qu'il n'y a pas aucun parti politique ici qui a quelqu'un milité là-dedans. Mais ce n'est pas des gens qui ont fait partie d'une organisation réelle. Et il y a un manque ça dans le pays à côté que nous pas vraiment organisé. C'est vrai que nous avons des gens qui très brillants et qui ont des idées très pertinentes parfois sur la société. Mais où t'as dit qu'à parler, même si. Et c'est ton bâtonnier. Mais en termes politiques, où tu as senti que l'implication qu'on parfois trop rentré dans la société? Mais je ne pas fini partager l'opinion ça, parce que si vous avez un de Guy Malari était de temps de. En fait, je ne sais pas si c'était mon parti politique là-bas, mais c'était. Oui, mais. Il était ministre, par exemple, il était ministre sous le gouvernement Malval. Mais maintenant, soit par le. Si on a ministre qui arrive à exécuter le. Pareil, pas d'un ministre, donc on dit tout que peut-être quel que soit parti que le DA, il y a des cas exécutés quand même, ou bien on l'autre cas qui mentionne dans le texte, on est d'accord Antoine Izmiri. Antoine Izmiri, c'est un dans l'église sacrée, même que Bandio allez, on prend Antoine et à l'exécuter le bon l'église, en fait. Donc c'est des. Nous avons parlé de signal dans le A, c'est des signaux très forts qui montrent que. Qui peut être dans le groupe social là qui a fait résistance à changement, qui parle de changement, c'est des gens qui puissants et qui prêts à tout. Et on a une question pour nous finir, et tout coûte. Ça l'a même aurait été puissant dans la zone métropolitaine dans le gouvernement d'affaires. C'est que je ne sais pas si tu es dans la profession,
parce que gapil gros tête qui tombe dans mauvais surtout. Oui, mais dans ça, c'est pas de m'en faire exercice. Là, il me dit ça dans le texte. Tout que je me rends compte que l'autre café n'est pas trois autres cabinets comme ça, pour que tu as travaillé. Mais pour qui ça, c'est cabinet? Pour qui ça, c'est cabinet? Pour qui ça, c'est pas des mouns? Par exemple, Jean-Mophélie Doval, tu as dit là, qui a fait l'école et qui a une parole qu'il a portée pour conscientiser le maximum de mouns possible. Mais. Oui, on a dit le constat, mais ça nous paraît nous compte bien suffisamment de monde qui a fait effort ça, qui était dans l'ombre. Il y a un peu de monde qui a invité, invité du jour là et puis qui dit qu'il n'y a pas venu parce qu'on dit qu'il n'y a pas parlé. Ils prennent une position politique et puis ils disent qu'il n'y a pas intérêt à la politique, mais il y a suffisamment de monde qui a fait un travail extraordinaire comme ça. Pour qu'ils soient en cabinet, c'est parce qu'il y a plus de monde qui a fait des travaux extraordinaires comme ça. Mais qui dit que la pression politique, là, il n'y a pas entré là-dedans du tout. Et qu'on y a arrivé dans une situation que le monde, comme politique, là, en fait, les déterminer tout bagaille. Donc ça vient fait que on arrive dans une situation que décision qu'apprend par des bandits et c'est des bandits qui dirigent parce que conseil de monde qui est compétence qui est capable qui va venir entrer dans la vie politique là même. Et est-ce que ça n'avait dit tout et Thomas Laline pour dire que en suspend ces vagabonds qui font politique, si nous on bagarre sérieux pour nous porter, je t'ai dit là Fonta monter terrain tout pour nous qui pousser nous. Je pense que c'est la meilleure façon, comme on a dit la dernière question, c'est peut-être la meilleure façon pour nous finir entrevue. Il y a un sens, ça ne peut être pas grand chose à ajouter. Effectivement, les gens qui ont une compétence, qui ont été utile au pays, malgré tout ça qui a passé, toute exécution, ça, c'est faire en sorte que nous impliquions davantage au lieu de nous décourager, au lieu de nous dire là, pas là, nous, en fait. Merci un peu, Thomas Laline. C'est un grand plaisir pour nous déposer. C'est un plaisir partagé. Merci à tout le monde qui t'a attendu. Et bonne journée. Merci. Bonne journée à vous, tout. Voilà, c'était avec nous l'économiste et docteur Thomas et la Lima avec l'Inter PC. Regardez quelques points dans l'économie. Hein. Mais même Jacques Lemli, un pile et résumé de monde et qui est exécuté par Boris dans le pays. Peut-être nous, mais écoute là. Ça, c'est le monde qui gagne, non? Et laisse son nom. Oui. Et ensuite, ça, c'est le monde qui était connu, pas même son nom. Il y a des gens et qui ont été assassinés. Et les assassinés, c'est des mondes qui étaient très dynamiques. Je veux dire, Thomas Lalim d'Abdila, qui étaient dans des secteurs clés qui travaillent. Mm-hmm. Et c'est tout le monde dans des agronomes, tout le côté, des ingénieurs, des avocats, des professeurs, des cultivateurs. C'est des mondes qui impliquaient dans la communauté, exactement. Mm-hmm. C'est-à-dire, et dans ce sens-là. Et ensuite, combien d'autres mondes qui mourent tout à cause de négligence autorité dans le pays? Ouais. C'est-à-dire qu'il travaille pour qu'il ait fait. Et dans son pays, pratiquement, qui mettait tout. Bon, SNGAD y mettait, mais pays a construit, exactement, pour capable. Éliminer le monde. En tout cas, et j'en ai annoncé déjà et pour funérailles, et mettre mon frère Dorvalio, nous on a parlé à la famille, l'on sorti, et une autre côté que, et il dit que, bien, funérailles, mon frère Dorval a fait en stricte confidentialité, il a dit, fermé, et une autre qui est importante pour noter, c'est que, dans notre famille, a mis dehors, il n'y a pas ni date, ni les, ni endroit. Il dit, c'est pas. Qui a fait le plus grand secret. Nous, on a interprété le déjà. Et pour avoir souvent, c'est que famille a senti que l'indigné par rapport à Jean Monferré mourir, pour eux, il n'est pas doué et mourir comme ça. Et si, par exemple, c'est un coup, elle a pris une petite fille qui dit que Haïti mangeait papal, et par rapport à Jean, papal passé, peut-être là, il est choqué. Son expression d'un sentiment de révolte. De révolte, de rejet. Mais deuxième côté, il n'y a pas un droit ça. Un droit fait strict intimité. Strict intimité. Parce que le monsieur était un personnage public. Non, seulement ça, Jacques, il y a Baouatou qui a l'article dans le chat, il est un bâtonnier mouru en fonction d'un ancien bâtonnier
qui j'ai un pour funérailles yo chanté. Mais son non respect des lois de la République. Là, n'a pas que. Allez-y, c'est violation. Oui, dans l'article 77 là, il dit décès d'un avocat en témoignage de bonne confraternité, l'ordre doit assister aux funérailles de ses membres. Au décès d'un membre de l'ordre, le bâtonnier ou un membre du conseil ou tout ancien bâtonnier demande au tribunal de lever siège en signe de deuil. Si le défunt est un bâtonnier en fonction, un ancien bâtonnier ou un membre du conseil, quatre avocats tiennent les cordons du poêle. Les membres du conseil portent la toge munie de rabat et d'épitoge avec hermine de couleur mauve. Mmh. Les autres membres de l'ordre en tenue professionnelle habituelle précédant le char funèbre et les couronnes funéraires sont portées par les avocats stagiaires. Et à l'église, le bâtonnier ou un membre du conseil délégué prononce le discours funèbre. Mais là, c'est comme si c'est violation à dernière volonté et bâtonnier que famille a fait là. Non, et pas, parce que pas si, volonté, non, pas non, volonté. Non, il y a volonté et quelque part, Jacques Ambroise, mon mec, c'est qui me dit ça. Parce que là, et avant Maître Deval était allé, il était comme ça, il existait déjà. Ah, il était adhéré c'est, avec c'est, yo. C'est pas volonté, parle. Ça veut dire que c'est dès que vous rentrez là, vous êtes oui, mais ça mais là, vous suit. Oui, mais pas grand, il dit que famille était comme ça. Non, mais t'as une famille, tu demandé. Et je vous dis à la. Bon, c'est Jodia qui a compté ça. Bon, en tout cas. Maître Dorval, pas t'es appartenu seulement à la famille et Dorval. Parce que ils devinent, ils ont. Et comme t'as dit ça même, ils ont. Pour un personnage et Baroua. Non, c'est un personnage public, mais. Son monument national de l'Irlande. Oui, justement. On va parler tout à l'heure comme ça avec. Et deuxième invité, nous, Martin, qui c'est ancien ministre de l'Intérieur, c'est ça, M. Amboise. Et Réginal. Et Delva, et nous prenons les jeunes sous numéro, ça, monsieur, c'était le numéro fini par 88. Ah, tout chef ici, le numéro oui, fini non, par 88. Non, 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 on va dire le ça, monsieur, monsieur Jobas. Tout chef qui était qui depuis la régie de Calais. Bon, chef, oui, bah, ok. Non, 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 mais, oh, bon, oui, mais ah, l'autre 17 grand ancien chef qui était là sous la Valas, etc. Non, ça, c'est has-been. Et par rapport avec ça, a gagné le conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince qui porte à la connaissance des avocats et des. Les avocates de tous ceux et affligés par l'assassinat du bâtonnier Monfrey Guédorval que la famille du défunt a décidé d'organiser les obsèques dans la plus stricte intimité. Toutefois, les événements annoncés dans la vie du 9 septembre dernier seront maintenus, ou encore sont maintenus. Une soirée en hommage au bâtonnier Dorval sera organisée le jeudi 17 septembre 2020 de 4h à 7h à l'hôtel Ritz-Kinam 2 à la rue Panaméricaine. Une messe de rue Kiem sera chantée le vendredi 18 septembre 2020 à 8h30 du matin à l'église Saint-Pierre de Pétionville. De plus, conformément à la résolution adoptée par la Fédération des barreaux d'Haïti le 1er septembre 2020, des messes seront organisées dans l'ensemble des 17 autres juridictions. Le port de la toge est obligatoire. Un signe de deuil. Eh bien, les cabinets d'avocats seront fermés le vendredi 18 septembre 2020. Fête à Port-au-Prince, encore au barreau, palais de justice, à Port-au-Prince, le 15 septembre 2020. Et cette note est signée par Marie-Suzy Legros, bâtonnier. AI, comme un ancien titre, on a en lien avec nous l'ancien ministre de l'Intérieur. Réginald Delva. Monsieur Delva, merci un peu pour disponibilité. Oh, bonjour, bienvenue sous Pacifique. Bonjour, bonjour Pacifique, et merci pour l'invitation. Et c'est un plaisir pour m'avenir pour nous commander l'actualité. Mm-hmm. Et d'après rappeler qu'on a dirigé et aller à Tahiti. À Tahiti, et pour nous qui ne connaissons pas, c'est qui s'allie, s'il vous plaît. Bon, à Tahiti, c'était quand même une première agence en ligne, parmi à l'époque, ça, que nous avons lancé en 2007, avec des réseaux sociaux qui étaient aussi actifs, je ne vois pas là. Donc, nous avons avec nous des journalistes, photographes professionnels, et que nous avons de saluer à chaque fois que je parle de Alia Tahiti. C'est eux-mêmes qui étaient pratiquement au saturé, et derrière, et dans le sens qui était des rideaux, qui ont fait tout le travail là. Et nous-mêmes, nous avons essayé de garder comment nous sommes capables presque en réel, permettre que nous vivions et ça a passé dans l'actualité, mais nous avons la technologie qui vient développer, je ne veux dire là, nous n'avons pas même. Et quand même mes missions encore. J'ai toujours été prêt à l'actualité, à analyser et même au plus, je veux dire, au bureau de consultation et d'investigation. Mm-hmm. Et avant même que nous recevions là, et M. Delva, nous t'a parlé avec Thomas Lalime, qui lui-même publié un texte, côté que lui parlait des exécutés de la République qui t'a formé un gouvernement, un cabinet ministériel. Et en tant que gouvernement, ça, président, mettait l'ICETA pour Monfrey Guédorval, il mettait un paquet d'autres personnalités qui étaient capables pour le ministre ou encore ministre de la Justice, type ministre et TPTC,
ministre de l'Intérieur que ou même ou teye, avant ou te ministre intérieur, te gon paquet nan moun sa ou qui te exécuté, et m'pa konnen si gen te exécuté pendant ou ministre intérieur là, mais après ou fin ministre intérieur, gon paquet qui exécuté, et jusqu'à jodi a la, exécution ou continue à fait. Nous gen des derniers cas yo, qui c'est le cas d'Orval et le cas de Norvilla. Norvilla et Bellamy, qui c'est au cadre nan Bank Central. Jodi a la, loi tende, loi apprenne chaque fois gen des personnalités public qui a utile service société a qui a exécuté dans des conditions pareilles qui sont dites tout en tant que ministre intérieur. Bon, c'est bien dommage et moi salue tout et Thomas Lalime qui fait un travail extraordinaire et courageux tout et au fait d'attendre et interview que le faire les même moi mon Gabriel le cap dit pas attention parce que c'est l'histoire pays a tout. Évidemment il y a des raisons tout pour le faire par rapport avec la crise en série de monde qui engagé eux. Là, je salue encore une fois le travail, ça qui se travaille de mémoire, tout, qui rappelez-nous, et ça qui passe dans le pays, qui fait que il y a des mondes, familles, surtout, familles victimes, ou est-ce que, ne pas tomber dans l'oubli, et plus que oublié, et pas bien que le président Avril, le président Avril, écrit un ouvrage, et un peu pareil, le livre noir de l'insécurité, qui relate en pile dans ce qui est ça, donc ça veut dire que il y a un peu de monde qui a noté. Des mouns qui carrément, et par contre, des éclairs ont bonjour disparaître, et presque dans tous les pays du monde, bien ça, il y a l'enquête qui se poursuit, l'enquête qui n'a jamais abouti, et le dossier n'a pas fermé. Malheureusement, en Haïti, souvent, on a l'impression, on parle avec famille, et on a l'impression que le dossier est fermé, pour ne pas dire que le dossier n'a pas jamais l'ouvri véritablement. C'est là qu'il y a eu l'idée, et c'est ça, nous-mêmes, au niveau de la sécurité publique, pour ton changement dans ce sens-là, c'est nous dénoncer que pratiquement, pas pour capable pour capable résultat mais famille faut connait la qui prend enquête ça famille faut connait que pas pour compte famille faut connait que gien tel ou tel qui fait sur dossier dossier a un numéro qui a signé à lui même le transféré enquêteur a un autre enquêteur qui relève famille qui vous dit c'est moi même qui sur dossier l'autre aspect tout en partage public faut connait pas bien que nous vivons en pile à des agents de prison qui sont casés à chaque fois qui vous côté plan, l'homme des en poste, l'homme des ministres intérieurs, c'était 2014, l'homme des bouquets écrasés. Et nous rappelons tous, sous président privé, en carrière écrasée, et en pile prisonnier, c'était pour la route. Souvent, c'est arrivé pour obliger les familles pour dire que mon pas côté témoigner pour client, mon pas côté côté plein pour client, mon pas qui t'a parlé pour le juger. Mais finalement, pour les actes arrivés, maman, papa, toi, c'est mon pas dans la rue. Une fois, c'est pour garantir la protection, mon pas. Et qui est courage pour aller voter plainte là, en portant de obstacles pour aller faire même le question qu'on peut résoudre, les faiblesses institutionnelles, particulièrement évasion et successives, donc capables de dire de prison, et pour porter des coups terribles et à enquête. Un individu, je vais dire pour me répondre à une question là plus rapidement, et extrêmement difficile à digérer, et même parce que est fondamental là, c'est la police qui travaille. La police doit être d'abord statistique, on travaille avec la justice, là, pour que l'enquête finalement aboutisse au tribunal. Monsieur Delva, c'est la police qui fait travailler. Est-ce que, ou même en tant qu'ancien secrétaire d'État sécurité publique, ou est à partir du plan de sécurité que déjà la police a été dit qui gagne, est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment un plan? Et si il y a un plan, ça fait par exemple, et les ont assassiné M. Saïe et sous la lue, parce que c'est une zone côté que qui a plusieurs et postes, il y a plusieurs, il y a des DDO qui tout près, et puis il y a des postes fixes et fixes et qui compte gagner. Quand on fait que vous pas attrapé bandit? Bon, c'est encore une fois faiblesse. J'aime toujours dire ça. Et l'actuel directeur de la police, ancien DCPJ, et en plus, je crois que vous m'avez venu, on dit que je vous dis qu'on sortit d'un chapeau, parce qu'il était là pour lui embrasser le chapeau de directeur général, là, plus au manager, au monde qui a dirigé plusieurs bureaux et à la fois. Donc, ça veut dire que la police n'est pas capable de réduire à actuellement pour nous faire prévention. Et plutôt que nous faire prévention, pour empêcher mal d'arriver. Et c'est ça que le succès a été difficile pour nous analyser, pour nous évaluer, parce que rien n'arrive. C'est ça qui, quand même, est mauvais côté qui se rend. La police a bien déployé, a travaillé bien, pas bien utilisé. Donc, presque, on est vraiment qui travaille. Parce que rien n'est arrivé. À chaque fois qu'on va arriver, tout le monde va arriver dans le moins. Mais
mais souvent que le département des zones pas gain rien qu'à priver nous pas questionner les autres en arrivé on dit à lui même avant que l'opéré dit de reconnaissance des lieux souvent c'est pas sorte de sorte qui tape mon là il suit mon là il garde les relis elle garde pour qui blesse point yo il dit il frappe tel ou tel côté parce que le connaît point vide il connaît que parfois il y a des horaires au niveau du commissariat yo changement de relève là examiner il connaît gros trou vide la période là il connaît qui le condition à manger donc il fait travail de reconnaissance ça qui va permettre de lui profiter de ce qui blesse là. Là encore une fois, ou après de bons changements qui sont au niveau de l'UCPA, qui est pratiquement pour les concerner en termes de prévention, c'est lui-même qui va l'occuper du département, qui va l'occuper comme l'espace vidéo, pour que lui assurer que justement, pas qu'il y ait pas de pas qu'il y trop vite, ça, qu'on est en plein jour, en pleine rue aussi à l'aise, pour perpétrer un acte et aussi barbare. Là, c'est une blesse parce que moi, je souhaitais que le changement, ça le permette de combler. Mais maintenant, même avec l'élément Sakourali, le changement fait dans notre DCPA avec M. Soljou, mais nous sommes irritants que tu les M. Soljou étaient dans tête DDO, des autres qui étaient faites dans le paquet avec greffier, et puis boum, hier matin, il est venu, il y a même M. Soljou encore. Moi, suivre l'actualité à tout, je souhaite que avant nomination, en fait, bon, je suis à parler avec qui concerne eux, parce que c'est mon conflit ouvert. Que qu'il y a des grèves, qu'il y a des menaces pour ne pas l'ouvrir, tout autant que M. Soljou à l'époque, des vidéos, et en force, est-ce qu'entre autres, quand il y a des propos, est-ce que domine Chita ensemble pour résoudre des questions, mais on a souhaité que justement ça aura arrêté quand même pour faire de l'épine dans le talon et actuel du CPA qui pour permettre, qui pour empêcher que le fait travail, qu'il y a pour le faire, parce qu'à la fin de la journée, la population est la victime de n'importe quel conflit qui a gagné dans la police de la vie. Et, M. Delva, pendant qu'on a parlé de sécurité la matin, hein, quel est le monde qui dit nous allons poser des questions du tout? Par exemple, sans comprendre la question à faire G9 et gang qui mettait tête ensemble, comment la police capable de contrer eux? Et c'est vous-même, ou t'es ministre intégré, ou bien, non, secrétaire d'État, sécurité publique, qui approche ou t'as gagné par rapport à G9 là? Bon, moi c'est d'abord et les institutions dans la mesure où élus locaux nous banalisent pour longtemps. C'est un combat que j'ai mené avant même que j'ai un poste tout droit avec ONG pour opérer dans différents quartiers. Et ONG a été malin plaisir justement de substituer à l'État. Et on a regardé par exemple, projet Union européenne gagné pour faire un route pour des percements distants et pour des faciliter la circulation. Et route à son route que le budget a été là, mais souvent, on voit que c'est des quand même leaders dans la zone, il y aurait des leaders communautaires qui décident eux-mêmes de arroser le droit pour que eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui gagnent, qui prennent des décisions, qui ne sont pas été aussi, à qui ils ne sont pas là. Donc, ONGO vient capable de combiner la pierre extra pour être capable d'exister. C'est bouger, il faut faire appel à des gens qui peuvent être nos travailleurs sociaux alors que tout le monde est des élus locaux. Appeler les faiblesses qui est le fait que l'élection n'est pas qu'à faire, les vignes facilités, j'ai deux et pratiques. Moi-même, l'homme d'un poste, je m'appuie le que moi, je suis à parler avec des gens qui sont les têtes, chefs de gang. Parce que nous avons des élus, nous avons AZ, nous avons des légions de villes, nous avons magistrats, nous avons des gens qui sont des canaux officiels pour nous mettre un programme. Et c'est malheureux. Lorsque nous venons de nos places, il y a des officiels qui sont dans des zones où il y a des Al-Chita avec des chefs de gang. Alors, ce qui a même rentré, mais on n'a pas même connu ce monde dans la localité, vous présentez un monde qui est lui, il n'a pas même connu ce monde officiel, c'est well, c'est un officiel là. Donc, pourquoi vous ne pouvez pas ça? Cette élection est une fondamentale, parce que libéral paye chaque élu au même mandat que c'est pour lui-même que nous passons. Donc, là, nous venons de trouver une pratique, à pas bien. Pays a vécu des moments extrêmement difficiles. On n'est pas capable d'oublier 2004-2007, parce que pratiquement même comme d'ailleurs, les businessmen ont été en difficulté. Ils sont obligés de proposer même des blesses et policiers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent proposer même avec des bandits pour permettre de protéger les positions. Mais son pratique pour nous sauter la donne, la meilleure façon pour nous sauter la donne, c'est d'abord organiser des élections crédibles et deuxièmement, rentrer dans la logique. Passer par élus locaux, renforcer un secteur délégué de ville,
suspendre rentrer dans logique qu'il y a là, une logique de parallèle, une logique de composer avec des mondes qui pratiquent dans la notion. Mais en attendant, où ces dirigeants, bon, même si on n'est pas en poste, où tu vas faire un conseil parce que ce problème là, là. Nous dans les sacs passés bien sa grande semaine et nous connaissons les sacs passés dans l'autre quartier ça ne qu'a fait comment qu'a fait parce que tout le monde est à vivre à qu'est sauté et surtout dans la zone métropolitaine et un peu partout à travers le pays même les qui battent les noms donnent la vie avec qu'est sauté le bâton même côté à chaque fois il est en New York à habiter dans la zone côté que le connexion à l'école là maman à New York. Donc, il n'y a pas de responsable choisi vivre, mais cependant, nous faisons constat tout, nous gagnons en même temps une société qui pratiquement a fonctionné à deux vitesses, nous faisons et qui gagne un gros problème avec la justice. Ça, souvent, fait des témoignages, c'est des gens qui ont joué dans la prison, sans ne pas compter tout ça, ils ont joué dans la prison, ils ont fait 9 ans, ils ont fait 7 ans avec le juge naturel, ils ont joué dans la prison, ils ont fait des prisons là. Comment ça, le monde est passé? Dans la prison, qui va jamais prendre pour qui ça dans la prison, qui va jamais juger, et ils ont gardé le sorti pour battre pour retourner en temps. Donc nous faisons quand même, nous créons mon statut à un niveau. Nous créons mon statut. Et c'est ça qui m'a dit pour nous tout réfléchir pour connaître pour qui ça arrive quand il arrive là. Nous ne sommes pas capables chaque jour pour nous là, n'a créé des systèmes, n'a créé des mondes qui poussent, ne pas offrir aucun service, moi avec le village de Dieu en époque libre. C'est-à-dire que le équipe qu'on a un bel jour, c'est pas démonté dans un poste dans la Tibonite. Et l'État, encore une fois, qui échoue dans cette pays, n'a pas statué aucune présence dans le village-là. Donc, même nous, nous avons demandé pour libérer de griffes bandits qui viennent déplacer suite à un pile opération de la police qui a tenu dans le village de Dieu. Et le village de Dieu vient libérer de groupes armés, pour ne pas avoir aucune présence l'État en dedans. Donc, nous, quand même, raté occasion à chaque fois. Donc, en résumé, il faut que l'État présent. En deux zones avec des programmes sociaux, mettez programmes de santé, mettez OTH dans le monde. Et c'est là encore une fois, le ministère de planification a un rôle extraordinaire pour jouer avec ONGO. Il y a un problème, il y a un budget. Donc c'est nous qui pouvons orienter vers des zones stratégiques pour que nous calmions. Parce que là, il y a des programmes cash power pour négocier comme ça, parce que nous avons chaque jour, bien des routes, on a d'autres capitaines. Pour qu'on ait la travail, machin de manger à prendre. Activité dans la zone, c'est sûr que le pardon est pas sous criminalité. Les États-Unis, au moins, c'est pas ce que je vous dis là. Certes, il y a des problèmes avec George Paul ou de ouais, c'est pas grivé. Le fait de gagner pas de pas, en tout le monde perd du tobio, à des loisirs, tout ce qu'on ferme, on doit la rue, on l'a boulé pour le magasin, on l'a fait des autres. Donc, loisirs, donc, la population qui est une grande majorité des jeunes, qui n'a pas que l'énergie qui coûte bien, il faut que l'État comprenne ça pour créer. Et mais maintenant, c'est vrai qu'on parle ça, mais grand yo même, j'en ouais, déclaration que vous faites. Et cause qu'on parle là pour t'avoir diminué toute criminalité. C'est des nègres qui veulent habiter à gros l'argent qu'on y a. C'est des nègres qui et parce que y en a kidnapping, yo braqué moun, yo fait toute qualité causé et c'est pas petit comme petit. Maintenant et pour l'autre bail, un pour l'autre aspect et monsieur Delva. Gè moun ki di la police a krasé parce que question fantôme 609 ça et li bay tout moun qui a sauté et gè des moun ki di que yo gè revendication qui légitime. Mais chaque fois au sorti, grand pile casse et un pile gros tête fait mal et l'ogade yo déterminé Saoudi a fait yo fait et puis pas aucun force bon c'est de la police ça dit c'est pied poule cap craser ses poules avant répondre nous et monsieur Delva n'a monté drapeau et puis tourner pour 30 secondes un peu à répondre moi d'accord on va vous poser à pour Olivier Bouchaud était avec nous on a tourné tout de suite après. Il est déjà 8h. Il est déjà 8h.
monsieur Elva, nous tournons. Ou t'es dans des questions, je n'ai pas besoin de répondre. Bon, en fait, c'est préoccupant par rapport avec les mobilisations qu'a fait la police. Ça met encore une fois cet échec. Et quand même, mais nous pas renouvelé et nous pas gardé la réalité hein, pour nous tenir compte de lui-même, pour souvent pour nous adapter et vie policière. Et je ne veux pas dire de la justice à l'heure, mais c'est même avec l'inspecteur général de la police, parce que pour éviter pour livrer seulement organes de sanction. Et après des mesures et pour des policiers uniquement, et pour les parents, en général là tout, quand même on est là pour permettre de livrer pour passer le bon travail après. Et par rapport à certaines unités et de la police qui est souvent sollicitée. Donc là, parce que même au niveau de recrutement, je pense que nous repassons, il faut que nous gardions cette ligne-là. On l'a déjà pas dit que cette ligne-là, la police a même livré celle de la police à pour son pauvre. Dans ce sens, comme je l'ai dit, ça, pour souvent, les policiers ont aussi fait une kilote de bon, une machine boulée. Et le fait que la machine, ça, par exemple, a son bon modèle, un bon marque, et que va mettre notre tête sous lit pour connaître où elle barre la machine pas. C'est un comme dans la police doyée, on parle même qu'à la bouffine. On est policier qui est victime de ça. Les policiers qui viennent dans le pays. Parce que tout simplement, la machine est sous noyau, parce que la famille a permis de dédouaner le pion, et on va être victime de ça. Donc c'est toute frustration, ça, qui est en dehors là. C'est que nous pas qu'il y ait des instances à garder véritablement. Nous pouvons lui faire plaisir à un sens international, qui est en ligne, qui vit sur pas gagner pour la réalité haïtienne non. Donc il y a une frustration, il y a une abus tout qui fait au niveau de sanctions d'après la police. Ça doit créer des frustrés à chaque fois. Et c'est même avec la justice, ça m'a dit là, pour créer des frustrés chaque jour, pour créer des monstres, et à la fin de la journée, il vient réagir. C'est pas constamment la bouillie, il bouillit, police aux victimes, monsieur Alpitalé, donc policier en fonction qu'a fait circulation, jusqu'à présent, je dis, j'aime gagner une explication qui taille. Et identifié, donc policiers ont subi tout ça, et habitué de l'état défavorisé, ils ont obligé à gérer pour gérer famille, par un programme de logement qui finalement pas abouti, problème de santé que vous avez, pas vivre avec un pile la peine là, un policier qui tombe balle, nous fait que avant hier, qui tombe balle dans les oreilles, qui a préballé avec un palo au policier soit, qui a préballé avec de l'hôpital à l'hôpital, surtout dans l'hôpital, mais c'est un frontière, Dieu va pas faire un bouli. Courir vers l'hôpital général, le Dieu va t'affronter pour lui, tout ça va le permettre de mourir le groupe là affecté. Donc, en fait, comme je toujours dit, avant de parler de sanctions, pour nous sûr que vraiment, les là nous mettons dans la condition pour le travail, pour ne pas obliger lui-même de recours à des autres pratiques. Donc, c'est là son travail en profondeur qui pour faire, pour que nous regardions ces espèces de missionnés et pour permettre que l'obstruction, on est vraiment pour des raisons pour sanctionner, parce que pour mettre dans des conditions pour ne pas faire ça l'affaire. Et mettre dans des conditions. Mais là, moi, parler de policiers, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un tracas. Mais chaque fois que vous sortez dans la RIA, les gens sont dit machines par eux. Gardez-moi le bout de machine, c'est seulement machine qui est gagnée. Gardez comme si exaction qui fait les messieurs dans la RIA. Est-ce que ça n'a pas créé une certaine distance, une sorte d'appréhension entre public là, parce que la police quand même, il y a une mission protéger et servir. Et il y a quelqu'un qui dit, les 509 dehors, la policière qui parle dans 509, il est toujours venu après 509 fin de passer. Ça veut dire, pas gagner aucune mesure préventive, j'en sors d'abdi là et qui j'aime pas. Ma paix, moi, c'est que j'ai des dérives, des débats, la dérivée, et on peut être policier quand même, parce que ces policiers, ils ont cagoulé. Le monde qui a fait la connaît particulièrement ça la paix et le vagabondage libre, la police, le monde qui n'a rien ouais, avec revendication que la peine. Au contraire, la population qui peut avoir avec revendication, elle est désolidarisée avec eux parce que c'est lui-même qui a subi. Et malheureusement, au bon pays, tout ce que la fumée a monté, et c'est là que la prévention a été importante, on peut arriver à ce niveau ça. États-Unis, ouais, mounio pour les commissariats, parce que vous perdez du contrôle dans la police, vous perdez confiance pardon, dans la police. Donc c'est quand même son dernier, quand même, quand même, question si on prend le riz de la salle, c'est pour que les actions rapides, pas privé, et le malheureux, parce que les policiers ont même partie de ça privé, parce que je voudrais dire à la population, dans leur confusion totale, c'est pas qu'on est le gros problème du monde, vous le
parce que le monde a roulé à l'écoulé, il y a pas de que les machines, tout pour les machines, il n'y a pas seulement pour débarrasser les machines de l'effet personnel, c'est scandaleux. Donc là, nous avons souhaité que justement, même au niveau de la police, là, parce que en fait, il y a des polices, au monde de police, pour chercher le compte. Ça va exister. C'est la raison pour laquelle, en plus, toi, ou être police, policier, toi, il n'est pas lié, mais quand même, nous avancer que le droit de notre carrière professionnelle. Mm-hmm. Et c'est la raison pour laquelle, il y a au niveau pour gagner pour entrer dans la police. Ce n'est pas des mondes doctorat, ce n'est pas des mondes maîtrise. Mais cependant, il y a au minimum pour rentrer dans la police. Et à minimum, il vient avec un salaire. Il parle, il est un médecin pour garder lui salaire. Mais certainement, il y a des vices dans le policier. Ce n'est pas parce que les médecins ont dit à la infirmière, surtout dans le corona, nous devons risque de personnel de l'hôpital à faire dans l'hôpital pour que les traités par rapport à ces policiers. Donc, quand que nous avons un bon débat qui fait au niveau de ça, quel est le salaire et quel niveau tu le mandes. Si bon docteur a rentré dans la police, c'est un très mauvais choix. Parce que niveau d'éducation, c'est un peu à dire que le côté café. Donc, le docteur a un salaire qui allait avec elle. L'église a un salaire qui allait avec elle. Au niveau du mandat pour être dans la police, c'est parce que vous connaissez. La seule chose, il faut que ça fonctionne le risque de nous venir avec avantages sociaux. C'est ça qui est fondamental. Pour éviter l'espace, toi, la toute vie là, pour la pauvre à chaque condition. On a une petite question. Le logement décent, tout à gagner. On a une petite question pour finir, et ministre, ou tellement de chapeau. Tenez. Et ministre. Consulte la sécurité. Ok. C'est de sécurité que nous avons parlé. Tenez. 1, 2, 3, ça qu'a fait Jodia, pour, pas pour la paix dans la cité, non, parce que ça va prendre du temps, mais pour le monde qui a gagné, il y a calmé. Ça, le gouvernement a supposé faire Jodia là. Parce que quelqu'un qui dit pas l'État, pas la police, c'est chaque coucouille, clé bouge, c'est mettre corps, qui veut corps. Qui ça qu'a changé et causer ça que Nabdi là et après et toute appréhension et moun gagné par rapport à sécurité dans le pays. Un de toi. Premièrement, c'est communication, pour communiquer mieux. On dit moun gagné bagaille hier. Comment dit faut la police ta mettre col dehors puis souvent pour parler à la population. C'est pas seulement l'instruction générale et qui parle ou bien porte-parole qui parle. Pour chaque au niveau de chaque département, que bon parole qui dit on a parlé de l'ouest là. Donc, il dit que le département qui a fait travail, le département est frais, pas rien qui paye, pas rien qui souffle. Et c'est pas parce que le département est frais. La Tibouni Fret, la Tibouni Fret. Ça vient fret. Maintenant, dans le côté qui fret, on parle de gain département, ah, okay. Pas le même problème que l'Ouest va gagner. Ok. Donc, c'est parce que les policiers dans la zone, ça, ils ont travail qu'ils ont fait. Mm-hmm. Donc, souvent, dans le côté de gain des zones là, nous n'avons pas de déconner qui s'accepte que telle zone lui-même a bien passé, qui s'accepte que qui formule et les locaux, mais pas avec policiers utilisés, pour que les gens quand même nous calment. Deuxièmement, ce qui est important pour répondre à la question là, c'est que nous vérité. Parce que le policier a pour pas l'espoir, pour dire qu'on fait l'hôpital. Ça n'a pas arrivé un problème qui fait que le projet n'a pas abouti, c'est pour pas la velle. Parce que le policier a comme bluffeur à diriger. Qui perdent confiance, c'est ça nous utiliser dans tout le pays. Dis-moi la vérité, dis-moi, mais pour qui ça me va capable de vous pour vous, échéance l'homme obligé à avancer. Mais voilà le projet, viens avec des photos, posez le gros hôpital qui a parti pour lui, viens avec des plans, viens avec des phases dans 6 mois à plat, dans 8 mois à plat. Là, suivez avec un projet, vous me dites là, vous n'avez pas pour stick même pour vous regarder, avance pas le projet. Donc, s'il n'y a pas capable ça arriver, oui, il y a des problèmes. Mais, que ou pas paraître bluffant dans le jeu policier. Et c'est ça qui a privé à chaque fois. Le risque d'aller à calme, c'est un lapin pour annoncer des programmes, pour annoncer des projets, et puis de réaliser que c'est rouleur pour les rouler de la parine. Ça arrive que des bagailles qui disent. Il faut communiquer avec elle. Donc, c'est deux bagailles. Meilleure communication, et puis, au moins, très conscience pour nous dire la vérité. Mais, merci à lui et M. Delvan, nous te connaissons pas le Boussakou, qui est là. Bonne journée. Voilà, à très bientôt. Et nous allons parler avec Réginald Edelvan. Nous allons parler tout à l'heure avec Daniel Magloire, qui lui-même a ses porte-parole, CAIFOM, depuis semaine passée.
Donc, un débat qui a fait sous réseau yo en sa gain pour avec question agression sexuelle et gagnant et quand femme avec un paquet de l'autre organisation femme décidée refraka femme yo la Neges Marron Sofa Avazda Gades Fondation Toya Sabine Maliga avec un paquet d'autres personnalités qui mettaient notre d'ailleurs pour dénoncer agression sexuelle. Mais bien avant nous recevoir Daniel Magloire qui ça la loi dit sous sa gain pour avec agression sexuelle c'est avec maître Audrey Dima. Pour qu'on doit dans le travail, doit pour jouer un petit morceau la justice, doit pour faire respecter bien, à cloner ou dignité ou liberté ou. Pacifique FM a présenté ou, le mot du droit. Loi mentale qui pour fierté nous. Avec Maître Rodrigue Dumas. En plus, le monde qui a pouvoir, toujours a tendance à abuser de pouvoir ça pour dominer l'autre monde. Et un milieu côté attitude ça manifeste généralement, c'est côté qui gagne des rapports de subordination qui développé et particulièrement dans milieu de travail, côté fonction au sérieux du monde, fait remettre dans tête yo que monde qui placé en bas l'autre yo, yo toujours prêt pour satisfaire tout désir yo et en particulier besoin sexuel yo. Et la victime décide de quebe tête avec yo, yo comprendre que yo capable utiliser agression sexuelle contre yo. Et ben dans pays d'Haïti, article 2 décret 6 juillet 2005 là qui modifie le régime agression sexuelle yo, et qui tout modifie en même temps. Article 278 code pénal là qualifie de crime non seulement tout acte qu'a déjà yo moun rive commettre ou bien tenter commettre sur l'autre monde, mais tout toute forme agression sexuelle yo moun consommer ou bien tenter commettre avec violence, menace, surprise, pression psychologique sur l'autre monde, quel que soit sexe auteur et sexe victime là. Et la doctrine qualifie de agression sexuelle tout geste généralement quelconque à caractère sexuel avec ou sans contact physique que un individu commette sans consentement mon geste à viser et dans quelques cas dans cas timon toute sorte de manipulation affective ou bien par chantage tel coup par exemple ou prend pose à jouer timon non faire chita sur ou et puis ou profiter mal etc. Agression sexuelle yo divisé en deux catégories gen ça relé agression sexuelle avec violence physique dans cas viol par exemple Jean article 2 décret 6 juillet 2005 le mentionnel là clairement mais tout ou joindre agression sexuelle sans violence physique tant que ça relé exhibition sexuelle là et harcèlement sexuel. Exhibition sexuelle c'est qu'à côté nan but pour outrager plus de l'autre monde. Yon moun a manipulé yon organe sexuel ou bien a exécuté yon acte sexuel sous corps ou bien sous corps yon l'autre monde tant que a fait masturbation par exemple ou bien a gagné un rapport sexuel en public ça relé exhibition active là. Mais c'est qu'on doit tout ça relé exhibition passive là. Naka yon moun ki fait exprès exposer tout corps li, organe sexuel li et même mettre tout nu en public. L'autre catégorie agression sexuelle sans violence, c'est justement harcèlement sexuel. Infraction ça qui inspiré le concept anglo-saxon sexual harassment fait apparition dans années 90 yo et à l'origine, il était visé avant tout sanctionner attitude yon moun qui gen tendance abuser de autorité que fonction bali. Particulièrement dans le milieu de travail, pour faire pression psychologique sur l'autre monde qui place sur l'autre lit, dans un but pour porter le monde qui en balle là, arriver satisfaire besoins sexuels. C'est ça qui explique, d'après la doctrine, trois principaux éléments qui constituent infraction harcèlement sexuel. À savoir, premièrement, une relation hiérarchique entre auteur acte harcèlement sexuel là et plaignant, et ce, indépendamment de sexe auteur et sexe victime. Là. Ça veut dire que harcèlement vient d'un garçon sur une femme, d'un garçon sur l'autre garçon, d'une femme sur un garçon, ou bien encore d'une femme sur une autre femme. Deuxième élément, faut axa manifester sous forme l'ode, menace, ou bien pression psychologique qui exerce sur victime là. T'as qu'on fait victime là, qu'on est par exemple, sous pas gérer, c'est dans un rêve, ou une promotion ça, ou bien encore, hein, ou besoin de conserver le travail, ou, et pour serrer sa bon du baoua. Et troisième élément, tout chantage ça yo doit viser un seul but, pour porter victime là, satisfaire désir sexuel auteur acte harcèlement. Et, de par nature, toute agression sexuelle étant un acte de pouvoir de nature criminelle, transgressant la moralité, et une autorité sans moralité étant un criminel en puissance, depuis trois éléments ça au fin réunis, victime doit commencer à chercher route du haut commissaire gouvernement ou bien cabinet d'instruction pour porter plainte contre auteur Zaxa, pour la croiser à Xo Grenli, pour la justice poursuivre devant tribunal criminel sans assistance du jury. Côté 10 ans prison par Yaptanli, d'après l'article 2, décret 6 juillet 2005, là, qui dit « Quiconque aura commis un crime de viol ou de toute autre agression sexuelle consommée ou tentée avec violence, surprise ou pression psychologique contre la personne de l'un ou de l'autre sexe sera puni
de 10 ans de travaux forcés. Maître Roderick Dumas, Pacifique FM. Voilà, et pour le mot du droit qui a un rapport directement avec agression et sexuelle et viol, j'ai annoncé déjà matin, nous avons un privilège pour nous recevoir Madame Danielle Magloire, qui lui-même est une responsable et calme avec l'INPRAL, essayer et garder et quelques points qui ont gagné une actualité à, particulièrement sur sa game pour avec agression sexuelle, sur tout réseau et Facebook et bon, Twitter, Instagram pendant toute semaine. Là, c'est débat qui a fait en sa gimpoué avec question silar et débat sous sa gimpoué avec agression sexuelle et on note qui saute qui potait et signati plusieurs personnalités et un coup Sabine Maniga féministe indépendante l'autre personnalité est un coup Kate Limors écrivaine Elvin Trouillot écrivaine Antoinette Duclair journaliste féministe organisation et féministe et Marie-Jeanne notre Sahar n'a pas lu quelques extraits pour nous, l'ITA féministe, qui permettent de lever camper et voir sous causer violence sous femme pour essayer de mettre Babouquet attaque qui participe à une fête sur l'organisation féministe Cap Défense. Cause femme, en lien avec nous, Madame Danielle Magloire. Madame Magloire, bonjour, merci un peu pour disponibilité. Ou, bienvenue sur Antenne Pacifique. Bonjour, merci pour l'invitation. Mm-hmm. Et son plaisir, Martin, pour nous faire. Et si Badou, ça avec vous, je ne t'ai dit déjà, pendant toute semaine passée, semaine ça a rentré. C'est débat qui a fait sur les réseaux sociaux et spécialement sur ça qui pouvait avec Facebook et débat ça concernant des jeunes filles qui ont même a écrit qui a dit que soit et harcelé ou encore tenté violé ou même capé et dirigé caille femme. Comment apprendre, comment comprendre, comment suivre débat ça s'il vous plaît. Bon, le bagage que nous avons dit c'est que c'est la rôle nous, que nous devons faire, c'est de vigilance par rapport à questions qui concernent violence sur femmes. Donc, dans ce cas-là, il y a des dénonciations qui sont faites, qui est en position d'autorité en cause. Et deuxièmement, et c'est ça qui grave là, c'est réaction du ministre Akidjia, M. Pradel en vitesse. Donc, nous prenons position pour vraiment par rapport à propos et accusations extrêmement graves que M. Alitos et dit en ce moment des bains dans le laboratoire qui de l'argent à fabriquer. Donc, nous protestons contre ça parce que ça est inacceptable. Parce que, j'en viens, c'est pas, je vais dire que la bataille sous des pétards. Depuis longtemps, et nous rappeler la prise de position que le mouvement femme a créé pour l'occupation américaine, et nous la première action, c'était dénoncer la violence, c'était de la force haïtienne. Donc, ces paroles-là, ils viennent d'ailleurs, et nous pensons que justement, ça va avancer, parce que pendant longtemps, ça sont tabous, et jusqu'à présent, tabous, ça a pour qu'on les veut. L'important, c'est de nous être capable de dénoncer les actes subis et quelle que soit la position, nous n'en. Parce que là, nous n'en position d'autorité, effectivement, et nous avons plusieurs cas déjà d'intimidation. Pour nous, moi, je voulais rappeler que c'est bien des dames qui se sont encouragées à dénoncer, qui se dénoncent directeur Radio Nationale, eh bien, nous avons que comme nous n'avons pas de nous pouvoir, comment nous traiter ça. Pour faire mes amis, rentrer dans le pouvoir, etc. Donc, son bataille pour qu'on respecte nous, respecte la femme. Mm-hmm. Et dans notre ça, que nous mettons dehors, nous fait référence directement, je vous dis là, avec et notre ou encore texte que et Pradel Henriques et Soti, mais pour le monde qui fait capter nous la Madame Magloire, faut qu'on dit que et texte Pradel Henriques là, l'Ivini et directement après plusieurs textes qui déjà publiés parmi eux et le texte de Mitsuka et Célestin qui dit que Nita agressé par et D'Angelo Nea qui est lui-même c'est actuel et directeur de Bibliothèque Nationale et dans texte lia et D'Angelo répond et après pour dire que mais non pas de jambes qui bagaille comme ça qui fait et l'ivini avec pour bon l'ivini avec des éléments pour dire bien après cette dite agression de la part de Mitsuka Célestin Madame Magloire et bien il te recevra Mitsuka sous plateau que il fait émission je dis à la par rapport avec tout aller mener vini ça yo et comment comprendre bagaille ça. Nous avons une position claire
ce que nous avons des dénonciations, nous voulons que, eh bien, justement, des enquêtes qui fait la justice de ce travail-là pour établir les faits. Nous-mêmes, nous ne pas rentrer dans le juge. Même Jean-René, la culture a proposé un juge instructeur. Par contre, nous disons que depuis des agressions, mérite des sanctions. C'est ça que fait que nous-mêmes, nous parlons de présumés agresseurs. Ça veut dire nous pas condamner nous-mêmes, quel départ de vie de présumés agresseurs, donc de dossier à mériter fait en chemin. C'est ça que nous disons. Mais madame Magloire, en pile mon reproche en pile jeune fille qui est subi question agression sexuelle ou bien viol que n'a pas porté plainte à temps, que c'est après plusieurs années que Kafine passé c'est laissé à porter plainte et qui saurait. Mais ça là c'est pas un haïti seulement. Son traumatisme est extrêmement grave. C'est tout dans la société que en général l'homme est victime de certains actes. Manger ou manger bref, tout victime, c'est lié au blâme. Donc, ça va être extrêmement difficile, non seulement traumatisme mon vie, qui fait que je dois avoir une capacité d'exprimer sa vie. En plus, par rapport à les grandes sociétés qui généralement ont manifesté solidarité vis-à-vis des victimes. Et ça, c'est pas seulement vis-à-vis des viols, mais si l'amour a fait des milliers à poser la question, est-ce que vous en avez? Comme si même si on a un problème à nous, on n'a plus pas qu'à justifier, c'est on a arrivé le droit de tuer ou bien de violenter d'une manière quelconque. Donc c'est le phénomène qui est étudié en psychologie, comment des mêmes qui subissent des traumatismes, difficultés qui ont à gagner. Mais que sur ça, nous avons tenu côté le bon système de la justice qui vraiment encourager même à ça. Nous connaissons que quel que soit ça, en général, la justice n'en suffisance ou bien non très léger ou bien une pabaille au pays de cartes importantes. Donc, c'est ça qui a expliqué qu'au pays de monde, pas sentir que nous parlons pour aller la justice. Et nous-mêmes, comme organisation femme, c'est ça qui a terminé le service en place pour nous accompagner les victimes. Et nous n'avons pas de suspendre, encourager, pour nous porter plainte de façon à ce que nous allions justice et nous aussi accompagnement pour ça. Et heureusement, madame Magloire, il y a deux côtés qui fait qui dit que femme n'est capable de plainte n'importe qui l'est. Et par rapport à tout ce qu'on dit là, automatiquement, si capable de porter l'après un an, même s'il décide de porter l'après 10 ans, il faut qu'on prenne en considération. Mais maintenant. Absolument. Et en particulier, là, quand il s'agit de mineurs, en particulier, parce que nous, nous avons pris une position forte, c'est que, il y a une pile menace, une pile pression là-dedans, que ce qu'il a fait, en plus, c'est le fait, non seulement. Stigmatisation de la société, hein? La justice qui parle comme ça doit, plus faire menace que ça peut être sous le nez ou bien sous proche, tout ça c'est des éléments qui s'appellent que le monde, mais par contre, ça parle ou bien que nous décidons à voter maintenant. Mais nous-mêmes, après, c'est que nous toujours encourager ça, mais nous connaissons les difficultés pour le monde, c'est ça qui fait nous toujours. Il y a tout le discours, il y a toute activité, il y a toute campagne qu'on dit dans tout ce qu'on a fait, nous appelons à des victimes, parler de nos silences, chercher concours, pour nos cas, faire face à la situation. Et ça paraît difficile, pile dans le pays, et madame Magloire, là, par exemple, société a gagné là, femme qui est victime, viol, agression, harcèlement, il y a c'est lui qui a par exemple, pour qu'ils soient habillés comme ça, pour qu'ils soient fait tel ceci. Mais est-ce que par une sorte de banalisation, gros autobrés dans l'État ou tout, et vous sortez parler de ça, là, par exemple, il y a des gens qui carrément prennent position claire, si nous avons déjà un ministre par des sortes écrits là, sans que par enquête, par rien que mener, est-ce que le combat va de mener dans le niveau ça tout, et madame Magloire? Mais nous menons dans le niveau ça tout. Parce que c'est une situation et de plusieurs qui enquêtent, qui établissent ça. Et en particulier, c'est pas que ça existe de l'autre côté, non?
mais le travail qui nous est fait, c'est ce que fait pour l'administration publique. C'est le droit de suicide, ça, son bagage, qui est extrêmement répandu, c'est un filtre qui travaille dans l'administration publique, eh bien, c'est ça la suivi pour le catégorie un job, alors que le travail, son droit que nous avons gagné, c'est que le pavillé a bon tête pour le capable de l'opposition. Donc, ce bagage est extrêmement grave parce que nous avons une très bonne totalité. Que ce n'est pas dans tout le monde qui travaille. Que ce soit la majorité des populations pauvres ou des mondes à utiliser des positions de pouvoir pour être capable de protéger des femmes, pour faire des marches dans la sexuelle avec eux. Parole, ça y est, la vie s'est dénoncée. C'est les gens, en pire de la saison, factorie et tout, c'est une des gros problèmes qui existent. Mais il y a pire avancé qui fait grâce à des travails et des organisations fait et qui travaillent en phase industrielle pour poser problème ça. Et m'a rappelé que les mesdames et les habitués manifestés, ils n'ont pas d'ailleurs les habitués dit comme souvent, nous faisons travail sans pas besoin de rendez-vous, rendez-vous pour aller piquer, alors que n'est pas choisi pour des relations avant, son marche dans le sexuel, son droit de cuissage, c'est des mondes dans le secteur qui ont fait marchandisation à ce travail comme. Mais dans le cas des dossiers et Mitsuka avec Don Gelois, c'est une plainte qui portait déjà, Mme Magloire? Non, à notre connaissance, ça vous fait. Et nous encourager à ça. Ça veut dire qu'un ministère qui est victime, c'est important de dénoncer, pour comprendre, mais nous-mêmes encourager pour que plainte. Nous connaissons ça difficile parce que la chaque parcours est extrêmement difficile. Vraiment, la justice en Haïti, on va devoir rentrer dans le détail qui ont fait connu comment la justice a fonctionné mal, comment les corruptions, comment les abus. Donc, en plus de ça, nous, qui place et qui juge, très souvent eux-mêmes, nous ont banalisé ça comme si c'est pour un bagage qui est grave, vous comprenez? Donc, c'est tout ça que nous sur la sellette avec eux, nous tombé, nous boumons. Parce que nous recevons un peu de monde, par exemple, sur un petit page Facebook Caïfam, où on voit une fête publiée, donnée, quand c'est carré de traité entre janvier et juin 2021, et totalité type de violence que nous avons enregistré et tout de suite que nous faisons par rapport à ça. Donc, c'est un combat qui est extrêmement difficile, mais on peut dire que c'est extrêmement massif. Qui n'est pas considéré comme que le monde tout bougé et surtout qui n'est pas considéré que l'agression sexuelle, que son bail qui est extrêmement grave. Cette loi a existé, de telles lois qui méritent de renforcer, et de profiter de signaler que dernier parlement qui est passé là, nous faisons tout ce que ça, par exemple, telles lois concernant les questions sociales qui votent. En particulier, loi cadre qui violence sous forme. Ça veut dire qu'il y a des pouvoirs en place qui a mis des bâtons dans les rues, qui a pété qu'il y a des outils légaux qui sont capables de gagner. Bien sûr, Haïti a touché la convention de l'homme de Tara, et d'après la constitution haïtienne, depuis la constitution de la convention, il est automatiquement entré dans la loi nationale. Mais c'est mieux dans une loi d'application qui définit. Mais chaque type agresseur et surtout qui va direction sur les procédures à suivre qui sont capables de régler aux États-Unis. Et son mari qui continue encore compliqué. Je dis à la, qui quantité on dit par rapport à différentes plaintes que nous déjà et recevoir par rapport à monde qui t'a subi et viol ou encore agression sexuelle, est-ce que gagne qui dans la justice et comment nous faire avoir marché? Nous voyons qu'il y a la justice, et par exemple, et tout le premier trimestre, le niveau CAIFOM, c'est 117 cas entre janvier et juin, nous traitons 117 cas d'agression. Là-dedans, en général, nous-mêmes, nous pouvons même ça, nous accompagnons et nous tous dans la justice avec eux. Tout ça n'est pas le même niveau de la justice, parce que nous avons des agressions physiques très graves. Et battre mon cabinet, blessé à l'armée blanche,
ou bien par armes à feu, et puis des agresseurs sexuels, en particulier des cas de sexe, que nous dénonçons et nous agissons avec eux. Comme nous disons, un véritable parcours de la combattante qui s'arrête, parce qu'il faut être vigilant, faut quoi aller, parce que tout le monde a fait des demandes qui sont prêts pour lutter l'argent, etc. Mais moi, je crois que nous devons quand même développer des rapports avec le système de justice pour connaître les nouveaux dossiers. Pour nous monter des dossiers correctement, ça nous dit là, nous devons dénoncer en place, nous recevoir une dénonciation, nous monter des dossiers, nous devons renseignement pour eux. Parce que pour nous assurer, nous, c'est qu'un apporté à son cas. Si bien nous voulons porter, mais nous prenons nous-mêmes pour ce que c'est toujours mieux, nous pas la justice, donc nous prenons une façon pour nous demander ce qui est libre pour nous porter, donc nous avons de bons résultats assez souvent, mais il y a des cas côté où il y a plus de difficultés. C'est particulièrement ça côté où il y a plus de problèmes, c'est là ça met en cause au monde. Qui sont deux partout, qui sont en position de pouvoir dans le pays. Mais maintenant, est-ce qu'au niveau de CAIFOM et l'autre organisation, yo, nous pas réfléchir avec une politique capable et de faire prévention par rapport avec type d'attaque, ça, yo, par rapport à type d'agression sexuelle, ça, ok, très souvent, Timounio, jeune fille, yo, femme, yo, a subi. Prévention, c'est de informer femme, yo, de sensibiliser la population. Même de dire, c'est pas parce que ces familles ont accès du problème, non, c'est ça concerne nous. Parce que les familles, c'est tout ce qui est en aide, c'est tout ce qui est en aide, c'est ça en aide, c'est tout ce qui est en aide, c'est maman en aide. Vous comprenez de tout. Le corps de travail, prévention en effet, et c'est ça qui fait que de plus en plus, nous voyons des mondes. Ça prend courage à dénoncer et dénoncer d'actes que j'ai subis. Pour que le travail, sa responsabilité, n'a pas qu'à l'année, c'est deux organisations familiales. Seulement, nous sommes un pays, c'est pas même si nous avons un problème, c'est un pays à l'étude. Ça veut dire des responsabilités et féminité autour. Nous voulons pour nous baisser des outils que nous voulons valider. Nous voulons des politiques publiques. Sous affaire de la femme et sous affaire violence sur femme, et en politique publique, le plan national de lutte contre la violence sur femme, eh bien, c'est appliqué et il y a toutes les mesures qui sont faites. Malheureusement, c'est la réduction pour que la politique publique soit capable d'appliquer. Donc, l'éducation, même genre, et ça veut dire que ça concerne tout espace en société, les médias eux-mêmes, ou bien prendre le traité qui va, par exemple, avant de prendre la présidia, d'un membre équipe-là, qui baille le mot du droit, qui dit le salaire dit, qui explique ça à l'extérieur. Donc, c'est un petit pas contribuer à l'éducation de la population pour changer de mentalité, pour faire comprendre que trois femmes viennent son bagage d'État, de pouvoir travailler, pour lui, n'importe qui. Donc, c'est pas prévention. Informez-nous pour qu'on doit y informer pour qu'on sache fait les victimes en agression, en particulier les viols, pour qu'on nous connaisse qu'en cas de viol, on est des mesures qui s'apprend pour éviter un risque forcé, pour éviter soit des maladies pour un sida. Mais dans les trois jours, donc 72 heures après les viols, les salles de poussette. Ensuite, tout accompagnement qui concerne les thérapies psychologiques, thérapies de groupe, thérapies individuelles, c'est surtout un bagage que nous avons plus important pour faire de notre enfant, c'est ça est une dévictimisation. C'est-à-dire que tout le monde parle de ce qui est prêt, c'est pas que l'histoire victimée, mais ça ne peut pas définir le problème, c'est aider notre enfant scientifique et aider continuer le chemin. Madame Magloire, dans démarche ça yo et avec lutte ça que n'a mené, qui assistance d'un jeune bon côté et ministère conditions féminines. Nous pas une assistance dans même ministère conditions féminines. En fonction de ce pouvoir qui est en place, qui est à joindre,
une collaboration plus ou moins grande. Et il faut que vous que depuis l'époque 2009, relations sont très distendues. Tout le ministère a été très présent à l'époque, par toute époque 2000 jusqu'à 2009, vraiment avec un équipe très engagé, très soucié de tout ça qui s'est passé, avec un peu de collaboration. Mais depuis ces 10 dernières années, et depuis que le gouvernement a fait ça, ce n'est pas du tout le cas. Mais nous pas étonnés tout parce que nous-mêmes, nous avons des positions critiques par rapport à des actes qui doivent faire après. Et notamment, le livre des présidents qui là avant, par la M. Martelly, non seulement son parti d'agression vis-à-vis des femmes, et pendant que tout pouvoir, il n'est pas privé de faire agression, et nous, toujours prenons position publiquement par rapport à ça. Et pour tout ce président actuel là, M. Moïse, a plus. Allô? Allô? Ben, mais communication, vont dit couper et n'a pas fini avec entrevue en quelques secondes que n'a pas rappelé et Madame Danielle Magloire pour que nous capables de continuer à parler avec lui par rapport avec la situation qui est là pour nous capables de finir entrevue et pour matin depuis Madame Nadine Piga accompagne une balle rappelle là. C'est vrai parce que le fait comme ça, il est déconcertant. Et puis hier, dit, où elle va appeler, où elle va interview par téléphone, pas moi ici, et qu'on va téléphone. C'est mon qui teste tout sur les principes. Oui, et puis le téléphone de moi côté de nous, dit, bon, et vous connaissez, l'esprit que compagnie par trois bons côté de nous, et nous saluons compagnie Diesel, et avec tout notre com, et qui a ben nous, petit service par moi ici, des affaires téléphone. Et Olivier a fait le nécessaire pour que nous capables de rejoindre Daniel Magloire. Oui, oui. Et Madame Magloire, je ne t'ai dit hier, et compagnie, on continue à frapper nous avec petit coupé appel là. Ah, c'est la rage avec son problème. Donc, donnez-moi un t'a dit, concernant le président actuel, le monsieur Moïse, ça il faut d'avoir un pas. Le petit monde qui est en place publique, un petit monde de moins de 10 ans, qui a été pour le président de la République. Qui sont pour les compenser, sont les filles en machine, nous connaissons qui nous n'a pas conduit. Au lieu que si vraiment, pour la montée de tout vide, je demande, quand tu nous as fait aller ça, c'est un grand monde. Et comment ils sont en situation ça, mais tout à plus intéressé, non, tu comprends l'éducation, tu comprends, nous pensons que ça intéressant. Pour l'autorité, tu as dit, c'est que bon, nous voulons faire un geste en tout monde, et bien là, bah, nous bout d'études. Parce que nous connaissons pas les tout à l'heure, mais au moins nous garantissons que la carrière est parce que là, à l'école, lui apprend, lui donne le métier dans le la petite personne, la petite famille. Donc, c'est pas applaudi, mais pour vous, il y a. Nous-mêmes, c'est pas ça, c'est pas intéressé. Madame Magloire, les situations socio-économiques, là, a dégradé concernant le pays. Est-ce que ça a augmenté cas d'agression et sexuelle? Est-ce que nous recevons et plus de monde qui vient voter plainte, qui vient plaindre de actes violents qui subit? Nous pas dit que ça nous observe. Mais des périodes de crise, et notamment avec action gagnée, ça veut dire que nous avons plus de violence et sous femmes. Mais ça ne faut pas oublier, nous pas de personnes, pas de données générales au niveau du pays. Par contre, c'est clair que dans des périodes de tension, c'est que nous avons des périodes de salaire de plus de monde qui vient à chercher le coco par rapport à l'agression et public. Et particulièrement, les deux attaques qu'a fait le quartier populaire, parce que ça qu'on précise tout, c'est que bien si vous avez une majorité, c'est monde qui sont dans les lieux défavorisés qui, toute la journée, a subi un paquet d'actes. Et là, il y a des gens qui ont été parés dans le pays, eh bien, vagabond a tout profité pour faire abus sur femme. En tout cas, c'est ça, depuis que vous avez dit ça, sanctionnez-nous que, selon moi, nous avons plus de ça que nous avons résisté. En tout cas, et merci un pile, Madame Magloire, pour disponibilité. Ok, mais la bonne journée et puis et bon combat, hein? Merci beaucoup et nous-mêmes tout bon travail. Et monsieur avait dit que m'apprécie qu'avant que nous introduisions un président, bon point juridique qui fait,
pour permettre la population à bien éduquer. Mm-hmm. Et que nous bon travail et passer bonne journée. Tout. Nous suivons l'instruction, professeur. Merci, bye-bye. Merci, et Camilla. Haïti, taux d'inflation 24% en juin 2020 et 25,7% en septembre 2020. Bah, elle a augmenté, et d'après HSI. Nous obligez votre pause. Vous êtes avec nous, mesdames, messieurs, 8h40. N'abtenez tout de suite. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on connaît bonjour, c'est un petit mot de syllabes qui a l'ouvri toute porte? Ah oui. Est-ce qu'on connaît tout, un simple petit bonjour qui a aidé un prochain passer un bon journée? Ça, c'est vrai. Dis-moi bonjour, m'a dit bonjour, comme ça, la vie va plus belle. Ça, c'est un message Radio Télé Pacifique poté pour améliorer le rapport monde avec monde dans le pays. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseil déco ou commande personnalisée, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Bohème sur Facebook et Instagram à Bohème Boutique HT. Cadeaux, accessoires, mobilier, Bohème. Un peu de tout, de partout. Compagnie nous en relais Pinson SA. Il n'y a pas aucun autre nom. Pas prendre un fomamite, pas prendre un imitateur. Directeur compagnie, c'est Tipinson Tetnob. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque deux ans, il est obligé de passer un examen pour voir si monsieur au courant des dernières techniques et des derniers produits qui gagnent sur le marché. Donc, Tipinson Tetnob, certifié comme spécialiste dans le combat du fait. Pinson SA. Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Maman, canon machine, pour Mr. Crash Check, ça c'est Subaru. Boum, boum, tapakat, ça c'est Subaru. Yes, grepe mon nègre, du sol, Subaru. Boum, pas que prenne un wacha, et me Subaru. Yes, pour Mr. Crash Check, ça c'est Subaru. Boum, boum, tapakat, ça c'est Subaru. Grepe mon nègre, du sol, Subaru. Lèm nan Subaru. Subaru mette m'fre mette m'wa. Kage chèz malèz moule swa. Ki machine lik swap jen nan pri sa. Yon machine japonèz wadi konichiwa. Konichiwa. Kado chassi, machine nan klasi. Si se pa le vire gade lèm a pas. Otomika kado mites, kado sekirite. Kote pa kapase kon Subaru toujou pase. Forester, crash check, sa se Subaru. Vroom vroom, pakat, sa se Subaru. Grepe mon nega du sol, Subaru. Subaru. Pake pren nan wash. Lèm nan Subaru. Subaru. Forester. Sous ta remède, on Subaru, même j'en avais, viens jouer nous dans Automeka. Adresse 22 boulevard Toussaint Louverture sous Wouta Yopoa. Téléphone 29 41 25 44 et 29 41 25 45. Et sous net là, automeka.com. Dans l'idée pour sensibiliser tout peuple haïtien sur l'importance nouveau 4 identification nationale, Office national identification, ONI tamen yon campagne dans 4 coins pays d'Haïti. ONI a profité rappeler tout le monde délai pour aller faire nouveau 4 identification nationale, c'est 16 octobre 2020. Cap vini là, Jean décret 18 juin 2020 a mandé ça. Qui donc, citoyens tout partout dans pays a, marché pressé, tout bureau ONI déjà l'ouvri porte yo bien large pour recevoir demande yo et puis ba yo service pressé ak bon Jean accueil. Ou doit marcher ak youn nan pièce si la yo. Baptiste, extrait d'archive, certificat baptême légalisé. Ou même madame mariée qui t'a remé mettez nom mari ou sous 4 signes. Songez marché avec acte mariage. Pièce d'identité si la, c'est un 4 multibiométrique. Ça veut dire, li fait à partir toute information sou moun kap fèl la. Tant kou, empreinte douette li, empreinte gel ak reconnaissance faciale. Mettez sous ça, li vini ak yon piste électronique qui donc, pa gen pièce possibilité pour faire faux 4 ça. Nouveau signe, fait rapide. Facile avec un matériel solide qui porte non polycarbonate, li résister à l'eau, chalet et puis bail yon garantie 10 ans. Tout citoyen à la ronde bade doit dégager au coup mettre Jean-Jacques pour gagner nouveau 4
Chine avant date 16 octobre cap vini là. Pas oublier, aucun monde pas autorisé à le chercher 4 pour monde. C'est médecine seulement qui peut passer chercher dans bureau ONI côté le Tefel dans une période qui pas dépassé 8 jours. ONI a prêté l'ouvrir 7 jours sur 7 pour servir population hein. Monde cap vivre avec un handicap gain priorité dans toute bureau ONI. Pas attendre date 16 octobre arriver sous nous pour faire 4 là. C'était un message Office National Identification ONI. Glamour, fashion, tendance and vintage, Bella Boutique a la baguette magique nécessaire pour vous transformer en ce que vous voulez. Trouvez la tenue idéale à Bella Boutique qui vous laisse un large choix de marques pour un mode qui vous convient et qui saura répondre à toutes vos envies. Passez à la rue Panaméricaine, local Harry's Restaurant, suite 111 ou appelez au 42 64 03 03. Choisissez Bella Boutique pour se faire chic et se sentir unique. Haïti vive au Cap avec 87 chaînes. Mon Cap va déchaîner. Passez prendre l'Haïti pour là, la locale Access Haïti ou bien Aïnet qui pipe là. Ou carrément nous tout. La 2943 3000. Entendu on dit depuis l'appli tombé toute l'autre disparaît. Nous même télé Haïti vient avec toute parapli. Avine dit ça. Pendant pays États-Unis, Haïti et partenaires régionaux ont travaillé pour préparer une saison capotée en pile cyclone pendant la pandémie COVID-19. Nous avons déconseillé les migrants pour parler avant de tirer un bateau pour faire un voyage dangereux qui a même la cause de la mort. Dernier groupe 266 Haïtiens qui ont été menés retournés au Cap Haïtien, après l'autorité de l'État qui a été en bateau pour voyager, montrez-nous l'autre fois encore que c'est la peine pour nous risquer la vie dans le genre de voyage ici. Là, yo. Pays États-Unis partage des pays d'Haïti pour yon des meilleurs pour peuple. Et puis, nous continuons à travailler pour yon Haïti qui est plus sûr, qui gagne plus de sécurité et puis plus prospère. Ton référence BRH mercredi 16 septembre 2020, c'est 85 gouttes 23 pour yon dollar américain. N'a pas rappelé tout le monde. Taux référence BRH calculé et puis publié pour journée 1, c'est résultat transaction acheté dollar qui fait dans la veille sous marché change là. Pas oublié, taux référence là disponible tout le temps sur site BRH là, www.brh.ht, sous compte Twitter BRH, BRH Haïti, ou soit ou carrelé centre contact BRH là gratis dans 80D74. 85 gouttes 23 pour yon dollar américain. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule, la vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Il est 8h59, les étudiants de l'Université d'État d'Haïti ne décollèrent pas dans leur lutte pour réclamer justice en faveur du professeur Dorval. Lâchement abattu le 28 août dernier, les protestataires, qui étaient encore dans les rues ce mardi 15 septembre, exigent la fin de l'impunité dans le pays, suivant ce papier. Étudiants dans l'Université d'État toujours en colère. Journée mardi 15 septembre, yon l'autre fois encore, yon manifesté dans Avenue Christophe devant local Inagé pour continuer à demander justice pour professeur Montferrier Dorval. Protestataire tiré plusieurs coups de roche sous agent police nationale qui tape sécurisé zone. Étudiants ont dénoncé tout attaque négaxam fait sous habitants dans quartier populaire semaine passée, ça qui était obligé citoyens et citoyennes sa yo courir quitter quartier yo pour yo pas mourir en babal. Devant faculté de droit et sciences économiques dans Rio Soal Durand et dans Avenue Christophe, étudiants ont fait connaître mouvement protestation ça yo pas camper jusqu'à ce que lumière faite sous assassinat professeur et puis pour la justice rivé marrer tout bon monde qui participait dans axi là. N'a souligné dans Bao Port-au-Prince côté maître Montferrier Dorval te bâtonnier
ak membre fédération Baro haïtien yo ak fédération Baro international yo pas suspendre dénoncer crime ça qui affecté métier avocat et puis mandé justice faite pour un exemple tracé dans pays ya. Pendant plusieurs acteurs a plaint pour enquête la qui dirait trop n'a rappelé cérémonie fédérale M. Ferrier d'Orval programmé pour vendredi 18 septembre qu'a venu là dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville d'après une note Baro a été mettée public. Moïse Saint-Éloi, Radio Pacifique. Voilà, et pour ce papier, nous allons ouvrir le billet de Jacques. Pour couronner le journal Pacifique Matin, l'éditorialiste Jacques Ambroise donne le ton en vous présentant son billet à compter de 8h50. 10 minutes de réflexion, d'analyse face aux différents problèmes d'ordre socio-politique. Le billet de Jacques Ambroise, un rendez-vous à ne pas manquer. Le billet de Jacques Ambroise. Crise haïtienne, c'est son fin. La langue de bois. On dit bah aux gens, oui, hein? Le groupe va vous dire, les amis, disons que vous dites là, mais. Papa, c'est ce côté. Papa, c'est ce côté. Capilos, Jacques, bon billet à toi. Merci. Si jouet la filo Beya, 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 oh Beya, son si jouet, yo Donc, on va nous rentrer la carrière, je veux dire, c'est mercredi. Mercredi, pour nous présenter au 5 septembre, pour nous présenter au troisième billet et pour ce moment-là. Nous disons, il faut que nous revenons côté pour nous discuter au janvier. Parce que ou pas qu'à guérir au malingue avec yon langue de bois. Ça veut dire, ou pas qu'à arrêter chaque fois que yon problème pour ou capable résoudre li ou passer sous côté ou contourner ou pas jamais vle al pran problème nan pour aller chercher tout côté et li déranger et pour qui ça que le déranger et comment nous ka essayer résoudre li et langue de bois généralement c'est politiciens qui adopté li parce que c'est discours menteur nèg ka parle avou li parler pendant et une heure de temps li parler pendant trois heures de temps li parler pendant toute une année mais li pa jamais dit rien parce que chaque fois que li répond nous li boy une réponse qui pa chita sou rien li faut des promesses qui pa chita sou rien des promesses li pense que qui pa jamais capable et réaliser des promesses que le connaît c'est pour jouer au malin parce que chaque fois que yon dirigeant yon politicien et a pe essayer parler avou la pe utiliser l'homme de bois c'est parce que il joue au malin c'est parce que li pa gagnen résultat li pa gagnen vraie solution à problème nan qui a pe et saccager bil pays a la tourner autour du pot et comme faut li parler comme faut qu'il obligé bail explication parce que tout temps dans des monde parler de communication communication pas un mot comme ça mais il dit faut ou râler sous réalité a et puis ou parler de réalité avec monde qui concerné a sans langue de bois sans pas passer sous côté sans pas essayer a induit moun en erreur tant que bon président haïtien qui te dit m'plonger là m'a levé puis devant ça c'est jouette coquin va nous dire que les ou en pile fois tout en, il a employé langue de bois c'est parce que li vle mener on dans une direction de pensée unique ça veut dire tout ça dit c'est lui qui bon tout ça dit c'est lui pour moun accepter c'est lui pour mettre en application et tout autant que système situation sociopolitique li pi fragile li pi faible c'est tout autant que ou a gagne impression que pensée unique c'est lui même qui a poil et passé c'est tout autant que ou a poil essayer pour capable faire un gens pour moun yo faire exactement route que ou voulez ou faire là c'est vrai que nous toutes nous avons conscience
C'est vrai que nous toutes, nous capables de comprendre, nous capables de réfléchir. Mais, généralement, vous prenez conscience après. Vous avez une conscience. Et conscience-là, est-ce qu'on utilise elle? Parce que c'est après un malheur, une catastrophe ou bien un événement fini, c'est laisse ça ou qu'on prend conscience. Mais nous-mêmes, par rapport à un pays ailleurs, par rapport à un géré pays, par rapport à je nous poser problème, est-ce que nous prenons conscience? Est-ce que nous d'accord que gagner un pile activité pour nous mettre, pour permettre que pays a prend ligne, pour permettre petit li à et vivre tant que monde? Est-ce que dans conscience que nous a parlé a li fait capable organiser, anticiper l'avenir pour permettre que monde qui a grandi yo pas grandi côté que yo complètement dans le flou, côté que yo très incertain par rapport à demain yo. Et toute violence qui gagne en dans société, toute insécurité qui gagne en dans société, ça qui mettait dans une situation que nous au bord de précipice, nous non tant que nos labyrinthes que nous pas qu'à sortir, nous avons tout effort que nous fait et puis nous a dit nad marinade en eux-mêmes. C'est parce que tout simplement nous pas chita pour nous poser vrai problème yo. C'est parce que nous toujours à utiliser en langue de bois, ça veut dire pour nous bailler menti. Et c'est un coup Jean et l'autre là t'a dit bailler menti, gros bagarre cap fini par arrêter. Ça veut dire ça yo fini pas du tout temps les ou attendel ou gain impression vinn rive côté ou pas t'a dit c'est vrai. Ou pas ta dit c'est ça qui la vérité a. C'est un coup, là yo affamé ou, là yo moun ap kembe ou non situation de misère, là kembe ou non situation côté que ou pas qu'arrivé satisfaire besoin ou pas qu'arrivé et faire sorgue pour faire et puis chaque fois que et toi l'abcès est coupé plus soif pour tout yo et puis la gueule de toi petit goût de l'eau dans gorge et tout et puis laisse on penser combien ou dit allons bon garçon. Allons belle femme, allons bon femme, parce que li sauve ou nan e situation difficile, parce que ou pas te bon même. Langue de bois avait dit, pour ne suspendre ni, parce que n'ap fait ça, de petit quoi comme ta broumé, ak beye jen en de pays ya. Nous pas jem mette vraie intention sous tabla. Nous pas jem dit réellement qui ça nous vle faire, jen vle faire, mais nous toujours ap essayer utiliser l'autre là. Nous toujours à essayer et berner et l'autre là n'a pas lolol pour nous capable lalal. Jean ça un peu le proverbe nan et langue noire lui-même lui dit je dis à pour nous capable rester pour nous prendre chemin pour permettre que nous dit nous ca exister tant que monde nous ca vienne pays. Faut que nous suspendions la langue de bois. Faut que nous disions la vérité en face. La vérité, même s'il dit, mais l'on dit, lui permet que peut-être le monde qui dit la vérité a capable de conscience, lui capable de comprendre. Et pour ça, faut que nous minimum de vertu, à savoir créer conditions pour chaque fois que nous prenons poser un acte, mais son acte qui pas seulement à défendre un intérêt mesquin. Un petit groupe qui a défendu l'intérêt yon moun, mais c'est un acte qui ouait la postérité, qui ouait comment pour pays ça capable mettre l'autre dynamique pour capable satisfaire tout et citoyen cap vivre la donne pour capable faire force vivre pays ya yon même yon prend et mais yon joue rôle pour yon joue tout bon à savoir goumen pour une société qui juste côté que tout le monde gagne même chance pour être capable de réussir, mais pas pour gagner des monde qui, ou t'a dit, même côté au fait là, yo t'es tout condamné pour yo c'est la misère seulement que yo connaît, c'est souffrance seulement que yo connaît, yo pas jamais connaît un jour mieux. Ça veut dire, si pas suspend politique et langue de bois ça, c'est dans ça n'a pied, c'est dans situation ça n'a pas continué. Apé patogé. C'est un plaisir pour nous t'avoir, nous bon rendez-vous pour demain. Demain est un jeudi pour nous capable de présenter
on l'autre édition Pacifique Matin, nous t'es chargé, nous t'es plein de 11 matin. Hein. D'abord rendez-vous pour et demain Vive Haïti lui-même. L'abvini, bonjour tout le monde. La tête, midi, soir, j'écoute une seule fréquence. 105 Pacifique FM. Red branché. On a tourné tout à l'heure.